Je t'allume dans mon quartier, je m'en bats les couilles, j'ai aucune limite. Tu voles dans ma gamelle et tu crois que tu vas tourner ton clip. Tu veux calmer la guerre de trois cadavres et là on est quitte. Guitariser mon frère, va pas falloir, ouais, que tu répliques. Va pas falloir, ouais, que tu répliques. Va pas falloir, ouais, que tu répliques. Et il sent pas le bus. C'est les qui là? C'est nous, vas-y, c'est nous. Vas-y, bienvenue. Merci, chef. Bienvenue. Ils sont dans le parking, les autres, déjà. Quel parking? Ouais, parking ouais, vers la plage là. C'est quoi? C'est quoi parking vers la plage? Vas-y, attends, il va nous déposer, attends. C'est quoi le parking vers la plage? Juste derrière là où on fait les. Ah, mais ils pouvaient venir. Dis-leur de venir là, dis-leur de venir là. Vas-y. Mais merci, merci. Ouais, Brandon, tu veux ton argent? Ouais, carrément. Je prends ta briquet, petite salope. Tu break. Toi, tu me dis, tu vas niquer ma mère, je sais pas quoi pour l'argent. Mais j'ai jamais dit ça. Hein? Mais est-ce que j'ai dit ça? J'arrive, je vais te ramener de l'argent. Eh, Ouvé, va lui prendre. Vas-y, dis-moi. Prends. Attends, t'avais vendu pour combien? Ça faisait combien le total? Je sais même plus. Ça fait tellement longtemps. T'as le moteur, t'as dit t'es blindé de coke, t'as rien. Bien sûr que si. J'ai fumé le 3 fois fil. C'est pas du narguilé. Une bouteille, je vais enquiller. J'ai même plus l'air qu'il est. Vas-y, je vais lui donner 2K. Je les ai fait galérer. Dans leur RP, je les ai fait ralentir parce que je, l'ai... je leur répondais hop. J'ai mis. Du coup, alcool. Le J là. Le J, c'est fait braquer là. Pour moi, ce soir. Par qui? Ah, t'as ma main, grosse qui vas-y, montre. Ouais, les gars. T'as kiffé ou quoi? C'était plus de base. Comment ça? C'était. Je vous ai presque donné tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez ramassé. Mais t'as dit tu doublais. Mais. Avec le temps. J'allais donner une part de ce que t'as bicrave. Là, je t'ai donné le une plus grosse part. Parce que là, t'as la plus grosse part, quoi. J'ai pris que. Pas beaucoup. T'avais dit tu nous donnais 2000 de base. Genre à 2, 1000 par personne. Je bloque, les gars. Crache pas, je vais te prendre tout l'argent sinon. Non, bah tranquille, vas-y, hein. Vas-y, et du coup, pour les clés de l'appart, c'est comment? Parce qu'il y a grave de la cargaison, moi dedans. J'ai pas chaud de l'ouvrir. Ouais, les gars. La voix, c'est qui ça avec OV ou Bigger? Les gars, c'est qui a fermé l'appart de. J'ai pas les clés, moi. J'ai pas les clés. Ça voit que Arf, t'as vu dès qu'il vient, c'est Arf qui avait géré ça. J'ai pas les clés, j'ai pas les clés. Oh, David. Okay. Bah, du coup, je repasse dans 3 semaines. Moi, les clés de l'appart, j'ai mes affaires dedans. Non, non, reste là. C'est quoi? Toi, tu vas t'impliquer ce soir, reste ici. Ouais, Brandon. Mais non, ben, tranquille, ça va. Tiens. J'étais tranquille, mon frère. Et ils ont enfermé le Bronx là. Tout partout. Tous les ponts, fouilles intensives. Dire là on va attaquer un barrage là. On va donner. Je distribue là. Non pas cocktail, parce que cocktail on. T'as vu si on fait ça, je crois qu'ils vont nous tirer dessus. Hein. Mais pas cocktail, on va les baiser à la main. Vas-y donne-leur qui vous avez quoi. Là j'ai donné, là j'ai donné. Tiens. Vous avez tous des équipements là? Juste gardez-le, regardez, à ceux qui ont les fumigènes. Eh les gars, ceux qui ont les fumigènes, ils les gardent dans la main. Les autres, prenez à la batte ou à la main. À la main. Et ceux qui ont les feux d'artifice, posez-les à la mort, posez-les. Tenez feux d'artifice. Attends, tiens. Envoie un feu d'artifice. Ah, moi, je ne veux pas le fumigène, qui veut? Mais donne à JB. JB, tiens. Vas-y. Venez, posez deux feux. Vas-y, carré. Quelqu'un veut des briques, là, chez vous, là? Moi. Tiens. Prenez feu d'artifice. Oh yo, des feux d'artifice. Qui veut encore? Tu vois. Bien vu. Donne des feux d'artifice un peu. C'est bon. En gros, tu le poses. Ils ont bloqué les trois ponts, les fils. Ouais. Ah, mais tu sais que c'est fouille de fils de pute, hein. Il... Tu veux rentrer de fouille? Attends, j'allais faire un truc là. Eh, les briques, distruis quelques briques. Allô. Quelques briques. T'as quelque chose, Jamie? Ah, j'ai deux briques. Venez, je vous passe des briques. Vous passe des. Ouais, des briques ou canettes. Moi j'ai pris briques. Venez, ceux aussi qui veulent, venez, prenez sur WAM. Oh, je te pique une petite brique là. Eh, les gars, les feux d'artifice, c'est après, les gars. Moi des briques, hein. Ben... Tranquille, ils ont juste jugé, quoi.
Ouais, une après, c'est un sac. C'est un sac. Vas-y, la jambe. En voisin, arbre aussi. C'est comment il se passe quoi là en fait? Non, ça se passe comment? Brandon, t'as pris quoi? T'as quoi, Brandon, pas, sur Watt là? Mais j'ai rien là! Prends sûrement, prends une brique, prends un feu d'artifice. Ouais, Jake, joue la deuxième tenue là. Oh, t'es timide, t'as, tu fais le bandit, maintenant t'es vraiment, t'es dans le Bronx. Là, tu vas faire, on va voir. C'est pas avec les autres, c'est pas avec les autres. Je te prends ça, je te prends un feu d'artifice aussi. Vas-y, vas-y, prends. Oh, y'a des trucs. Mort! T'as des trucs, mon gros? Ouais, les gars chez nous, c'est bon, vous êtes tous bien là, les sèves? Ouais, t'inquiète. Ouais, les gars, ouais, on est tous bien là, c'est bon. C'est bon. Après, il parle comme ça des fois chez nous, il est fou. J'ai juré, l'alcool, ça nique. La drogue, ça nique la mémoire. De ce qu'on on voit, hein, les gars, Devine, avec l'espérance là, du live là, depuis qu'on live. La drogue, ça nique la mémoire. Et l'alcool, ça donne des réactions bizarres. C'est bon, on y va, vas-y. Allô, les gars. Attends, venez, on attend les derniers. Elle arrive. On attend. Ah, vas-y, venez, on y va. On va. Ouais, on prend le barrage, le premier, c'est celui qui est. En fait, c'est le pont qui. Bref, en gros, regardez votre carte. Regardez la carte que je mets par terre. C'est le. Celui du sud, tu vois, qui est vers les safe sites. Mais pas celui qui mène vers les 306. Pas vers Nord-Sud. Celui qui va vers l'île du milieu. Ouais, c'est bon. Bah là, ils sont pas bons chez nous. Vas-y, venez, on y va. Ouais, vers le coiffeur. Hey yo, t'es sûr? Parce que moi, tout à l'heure, j'ai vu que celui à la pompe à essence, ils étaient que deux. Bah, du coup, je crois qu'ils sont deux partout, de toute façon. Ah ouais. Les briques, on lance ou pas? Ouais. Mais pas direct, faut qu'on. Regardez, faut pas qu'ils nous voient arriver. C'est-à-dire, faut qu'on se cache et d'un coup, on sort, tu vois. Enlever les fumigènes dès maintenant. Ouais, enlever les fumigènes. Attention, en face. Je crois qu'ils nous ont vus. Ils nous ont pas vus, les gars. Venez, on cavale. Rangez les fumigènes. Venez, par la droite, par là. Les gars, comment on trottine? Les gars, venez, on y va. Ouais, ils sont là, les gars. Ouais, bande de bâtards, vous voulez bloquer le Bronx? Ouais! Pour le Bronx! Tiens, sale bâtard, tiens! Niquez-les, les gars! Eh, lui, il court, les gars, coursez-le! Eh, là-bas! Niquez-le, les gars! Eh, niquez-le, les gars! Niquez-le, non, je... viens! À droite, ça arrive! De l'autre côté, venons! Vas-y! Vous l'avez niqué? Eh, venez, on recule, on se barre! Eh, les gars, on se barre! Eh, revenez! Revenez, les gars! Safe side, bande d'enculés! Faites gaffe aux voitures, collez-vous à la barrière! Il y en a un là-bas! Eh, les gars, y'en a un tout seul à droite! Venez à droite! Il est là-bas! Il est là-bas, venez sauter. C'est le Bronx ici, bande d'enculés. C'est à droite. Le gars, regardez dans les buissons. Elle est là, les gars, niquez-le. Niquez-le, les gars. Oh, il est où? Tu vas où? Eco. Il est où? Laissez-le, les gars. Il est où? Il est dans la cramé, je crois. Kimo. Ouais. Les gars, courez. Courez, venez, on se barre. Posez les feux d'artifice. C'est quoi les feux d'artifice déjà? Allez vous faire enculer. Ils sont là, venez. Tous. On y va. Arrêtez d'avoir chaud. On y va. Oh.
qui tirer. Tirez, tirez. On est en contact, s'il vous plaît, dans un aide ici. Envoyez-le. Comment je fais? Ouais, y'en a, ils sont cons, wesh. Mais comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? À l'aide! À l'aide! Ah! À l'aide! À l'aide, putain! C'est bon! À l'aide! Fais ma tasse, il va me tasse! Oh! Viens là, toi! Bouge pas! Ah! Démenoté, suis-moi. S'il vous plaît, pour me démenoter, juste je vous suis. J'ai mal au bras. Regardez, je saigne. Aïe! Ok, nickel, allez, on garde les potes. Avancez derrière vous. Oh là là. Je pars. Eh les gars, aidez-moi, je suis menotté, aidez-moi. On va à droite, ça, comme ça. Ramenez le passe, les gars. Oh, bien joué, ça, comme ça. Eh putain, ça nique tout, frère, j'ai trop la haine. Démenote-toi, mais je sais pas, frère. Aaron, il m'a dit démenote-toi, je sais pas comment faire. Reculez, reculez, reculez. Oh, j'arrive. On est encerclés, là, frère. On meurt tous ensemble, les gars. Lâche-le. Ah, il me démenote. Tiens, André. Merci, c'est bon, j'arrête, j'ai compris, je rentre chez moi, je rentre chez moi. Ah bon, je rentre chez moi. Comment ils sont montés en haut? Les gars, montez au métro, métro, les gars, montez au métro, même. Recule, 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 y'a le feu. Ah. Oh. Ouais, les gars, ouais. Métro, les gars, on est là. Allez, les métros, les gars. Allez, avec ce Oh, ça se voit, le mec, c'était une recrue, il avait pas qu'un. T'as mes Zirkus, mes skins. Aïe, aïe. Putain, casse-toi, la dinguerie. Allez, on fait reculer les gars. Comment je le démenote? Attends, bouge pas, bouge pas. Libérez le bras. On prend la passe, prends la passe, Devine. Pas de fils de pute. Eh, montez tous sur le rail, on les attend. S'ils montent, on les baise. Eh yo, y'a une fenêtre ici. Les enculés. Viens voir avec le cocktail. Oh, les gars, ils montent, les gars, ils montent. Non, les gars, ils montent. Ils sont en train de monter, les gars. Cocktail, s'ils montent. Cocktail, s'ils montent. Poussez au cocktail. Cocktail, poussez. Pousse-toi, recule. Bougez, les gars, les gars. Ah, reviens. Les gars, démenotez-les. Démenotez-moi. Aïe. C'est moi. Voilà, c'est des bons. Arf, démenote, tiens la pince, tiens, fais-le à JB aussi. Attends, vas-y, fais-le à JB aussi. Tiens, prends-lui la pince, vas-y. T'inquiète, c'est bon. Il se replie, ce fils de pute. Ils vont monter, ils vont monter, je tiens la porte. Eh, vous faites enculer. Il est mort, il a dit je tiens la porte. Non. Niquez-vous. Eh, c'est dur, hein, quand même. Daron, il bat. Oui. Oh là. Attends, jette pas qu'on est collé. Non, t'inquiète. Ouais, faut pas se couler. Attends. Oh, les gars. C'est bon, il recule. Les gars, aidez-moi. Les gars, faut qu'on reste. Sur les rails. Tiens. Attends, je vais arriver. Attends, lève-toi. Ah, ouais. Tiens, tire. Oh, bande de bâtards, ouais, bande de bâtards. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Attends, je pète la fenêtre. Putain, je suis dans le mal. Viens, monte. Montez les frères. Ah putain, je me suis fait mal. Marche oui, putain. Monte, Jamie, les gars, ils sont tout le reste, prenez gravement là. J'ai pas assez de range. Non, ces les gars, enfoirés. J'ai pas force, les gars. Oh mon gars, big. Restez là.
Hey, yo, qui a des... Non, venez au restant en haut. Je peux remonter après? Oui, je peux remonter. Ok. Tu fais un carnage. David, viens ici sur le toit. Oh les bâtards! Non! Non, je fais comme... Oh les gars, je les brûle! Ouah! En bas! Niquez vos mères, les cops! Je te jette une corde! Vas-y, cramez-le, putain! Cramez-le, ce fils de pute! Cramez-le! Putain, mais c'est quoi son blaze? C'est quoi? GL? En face, les gars! Ah, je suis pas bien, les gars! Je suis pas bien! Je t'ai jeté une corde! Ah, il veut pas? Il est où? Welcome to the Bronx, bande d'enfoirés! Ok. Allez vous faire enculer! Faut se passer! Attends, on va par la droite, on peut pas aller sur les... Les gars, viens. Les cocktails, faut bloquer le chemin. De toute façon, les gars, dès qu'ils montent... C'est qui l'autre qui a un cocktail? C'est qui l'autre, le... Le mec, toi, moi et Léon, je crois. Ouais, bah toi, tiens les escaliers. Non, moi, moi, j'ai passé le mec, le mien. Oh. C'est un... En fait, moi je pense, là, imaginez au joueur qui est menotté. Il est obligé, un joueur là, qui est menotté quelque part, il est bloqué, et il peut pas revenir. Oh, viens, arf. Regarde la foule. Oh, la foule qui arrive là, regarde. Arf, viens, arf. Vite. Les escaliers. Ah, ils montent. Allez, on s'arrête pas. Reculez. Les gars, ils nous envoient de la chemo. Regarde, ils arrivent à la mort. Brûlez, bande de bâtards. Regardez. L'enfer qui vous attend, tenez. Tenez, tiens. Goûte l'enfer, tiens. Oh, venez, on se barre du toit. Viens. Avancez. Avancez, les gars. Niquez-le, les gars. Tiens. Oh. Fils de... Tiens, niquez-le, sa grand-mère. Oui. Ah, les gars. Les gars, courez, j'enflamme le chemin. C'est Molotov, c'est un niqué là. J'enflamme le chemin. Vas-y. Jette un singe. J'enflamme la route. Vas-y. Oh, bâtard, il est chaud lui. Tiens. Non, attends. Lève-toi, putain. Vas-y. Venez les gars, revenez. Non, on se barre. On est combien là? En fait, faut qu'on descende de l'autre côté. Faut qu'on descende de l'autre côté. Mais on a perdu là les mecs. On est mort. Il y a plus grand monde. Là, il y a un infirme devant. Brûlez-le. On veut pas d'infirme dans l'armée. Pourquoi il a des bandages, ce bâtard? Brûle. Zola, rigole pas. Allez. Le fond est brûlé. Les gars. Levez-moi. Attends. Aïe, les gars, au secours. Attends. Ah, les gars, ouais. Y'a un mec là-bas encore ou pas? Les gars, doucement avec le feu, doucement avec le feu. Là, je suis là, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh. Yo, je crame. T'as pas tu fais? Oh, il tire. Doucement avec le feu, les gars. Oh putain, vas-y, on se tire, moro. Avancez, les gars, avancez, vous blessez. Les gars, on est plus beaucoup là. En fait, ils vont jamais partir. Bande de fils de pute. Là, faut calmer, dans ton temporis, la tête de moi. Ah, en fait, là, on est moins, du coup, faut être plus stratégique. Faut qu'on fasse des frappes chirurgicales, comme on dit. Ouais, mais là, la prochaine gare. La prochaine gare. Je sais même pas. Je crois la morceau, les gars. Ah ouais.
Non mais c'est vrai, y'a rien je pense là. Non mais les gars, je crois qu'on abandonne notre position, moi je vous dis on fait demi-tour. Ouais, vraiment, vraiment. Oh, mauvais bail, ils sont en train de tirer là. Je suis une grosse, mais quel monde, t'es un menteur. Ah, t'es même pas du monde, putain. Laissez-le aller tout seul, laissez-le aller tout seul. Les gars, écoutez, moi je vous dis on y va, sans armes, sans rien, on parle, on rentre dans leur tête, et d'un coup on leur jette les cocktails, au moins ils reculent. On va juste se rapprocher de deux secondes, ils vont cavaler, mon gars. Mais là, ils sont en mode on les arrête, là. Ils sont pas en mode on part. Ah bah ouais, c'est ça. Bah attendez, ouais, je crois que dès qu'on va arriver, ils vont nous encercler, ils vont nous choper, putain. Faut envoyer un mec auquel on tient pas trop pour négocier. L'infirme, il est où l'infirme? Non, pas moi. Oh, l'infirme, t'es qui toi? Tu viens d'où? On prend pas un mec qui est pas du Bronx, genre lui. Offside. Au pire, la seule meuf. Allez, t'as vu, c'est pour ça que ça va être toi. Allez, toi, tu vas y aller. Allez, Moro, vas-y. Vas-y. T'es fait shoot hier, allez, tu te dépêches. Tu vois, tu dis, tu baisses ton pantalon et tu cours. Mais on est au-dessus d'âge bloc là. T'abuses. J'ai essayé d'envoyer toi. C'est où la prochaine station? Elle est où? Il n'y en a pas ici de l'autre côté, ça va loin de fou. On saute là, on peut pas sauter ici? Non, on peut pas sauter en fait. Venez, on retourne. Mais enlevez vos cocktails. Regardez, les gars, écoutez, s'il n'y a pas de cocktail, ils vont pas nous tirer dessus. Donc venez, on prend tous une arme blanche et on les nique, mais on va tous sur les mêmes mecs et on n'a pas chaud. On va direct. Vas-y, venez, on y va. Attends, mais moi j'ai qu'un couteau. Vas-y, au point. Lampe torche, vas-y. Moi j'ai que des briques. Hein. Mais pour moi, joue. À gauche, on y'a quoi? Oh! Eh les gars, ayez pas chaud! Eh les gars, ayez pas chaud! Mais c'est mort, abuse pas! Ils sont combien? Attends, on négocie! 25 au moins! On les baisse, ces enfoirés! Là, ils veulent négocier, les gars! Ils sont pas beaucoup, les gars, en vrai! T'es fou, quoi! Arrêtez les cocktails! Prochaine porte! Les gars, arrêtez les cocktails, les gars! Juste, ouais, portez-nous! Les gars, avec un peu de chance, y'a un métro qui arrive! Portez-nous! S'il arrive de leur côté, il va nous taper à nous! Non, les gars, c'est fini! Non, ils sont de l'autre côté, c'est comme ça, les gars, ils sont de l'autre côté, c'est fini! Regardez! Force à vous! Y'a le métro! Non! Y'a le métro! Venez, on en profite, on y va! Attendez, recule! On va discuter, les gars! Il négocie pas! Non, mais attends, il veut nous faire reculer juste là avec les lacrymos! Attendez, écoutez! Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il nous lacrymos, cette pute? Ils vont sortir des fumées, les gars! Ils vont sortir des fumées, hein! Mais yo, ils vont s'étouffer eux-mêmes, c'est trop du coup! Attendez! Oh! Oh! Enculé! Les gars, Courez! Les gars, à trois, on recule! Vas-y, enflamme la route, vas-y! Attends, il pète en premier! Courez! Venez, à trois, on recule, on les frappe! Maintenant, venez, on y va! Allez, nickel! Enfoiré, nickel! Allez, on continue! Nickel, les gars! C'est bon! Oh, il est solide parce qu'il est du SWAT, lui, c'est pour ça! Non, on se barre! Ah, viens! Non, on se barre! Non, pas moi! Reste par terre, je t'ai dit, sauvage! Par terre, sauvage! Qu'est-ce que tu fais, sauvage? Ah, c'est bon! Oh! Qu'est-ce que tu fais, sauvage? Ah! Aïe! Courez! Non, t'es un menteur! J'enflamme la route! Et tu brûles nos frères, tu brûles les mecs! Les frérots, tant pis! Ils sont déjà cuits, mon frère! Attends, y'a Arv! Allez, arrêtez! Les gars, venez, y'a Arv! Venez! C'est bon, On court ensemble, mes frères. Ouais, le marathon. Courons ensemble. Il y a plus que deux personnes. Non, on se barre.
Attends, je bute. Putain. Demi-tour, demi-tour, ceux qui sont en train de chasser. Ah non. Demi-tour. Que tu tombes. Je vois rien. Aidez-moi, portez-moi, portez-moi. Aïe. Vas-y, ils arrivent pas, ils arrivent pas, ils arrivent pas, t'as le temps. Mettez-lui, lui, il mérite, mets-lui. Non, bah, apprends à viser déjà, quoi. Ouais, allô. Ouais. Il remet dans l'autre sens, c'est bon, il part. Vas-y. Aïe. Ah. Oh, ah. Ah, enfoiré, tu sais pas viser. Ça vous baise, les cops, ça vous baise. Parez-vous du Bronx. Qui ça? Flic, ça? Qui ça par terre? Flic, lui. C'est qui, lui? Non, j'ai cru sa grand-mère. Bande de voyous. Baise-le. Cours, collègue, cours. Courez, là. Non. Ah, bravo, visé. Recule, arrête de te mettre autour de moi. Collègue, je brûle. Cours, enfoiré. Il a la faim sur eux. Il a la faim sur eux. Ils sont que deux, Vas-y, go. Il est pas là. Attends. Fais gaffe. Attendez, les gars, il est à quoi, Aylan? Mettez-vous en face de nous là. Il faut que je le ramène. Aidez-moi. Ouais, c'est pour ça, viens en face de nous. Il y a un keuf, il m'a attendu là où je me suis évanoui, il m'a tabassé. Tiens, bouge pas, tiens, prends la main. Yo, venez là. Tendez la main. Yo, tends la main, le gars en rouge. Prenez-moi. Hey yo, viens là. Vas-y, attends, vas-y. Vas-y, porte-le. Vas-y, tends bien ta main, putain. Eh les gars, on est les derniers là. Les gars, les survivants, les gars. Attendez, les survivants, le battle. Je crois qu'il y en a un qui arrive là, c'est qui ça? C'est le Beagle, c'est Lion. Vas-y, pas des cocktails molotov. Lion, c'est vraiment un ripou. Eh, c'est un agent derrière lui ou pas? Non, ça, ils ont replié. Yo, what's up? C'est qui là? Non, mais. Et moi, ils ont replié. Brûlez-le. Les gars, c'est un keuf! Envoie le cocktail, Razmo. Envoie. Non, je suis pas en service. Là, c'est le bordel dans le Bronx. Mais là, on peut pas descendre, les gars. Y'a pas de. Là, on va si, où si, là? Si, si, va... si, si, après, ah, safe side? Ok, je fais ça tout de suite, monsieur. Ouais, y'a chez nous, y'a chez nous. Merci beaucoup, monsieur. Ok, bonne soirée. Ouais, je viens de prendre un client, on est en émeute. Ouais, faut bien que je fasse ma tune, putain. On était tellement. On a commencé à 50, on est 12. On voit les vrais survivants, les gars. Il est où Arv? Il s'est fait péter, je crois. Oh, allô? Allô, l'île des villes? Oui. C'est le commissaire à l'appareil. Oui, je vois que c'est agité là dans le Bronx. J'ai entendu parler. Moi bien, c'est plus qu'agité et je t'en tiens pour responsable, d'accord? Ah non, c'est pas moi, c'est pas que moi. Je m'en fous, tu es responsable avec Arv. C'est tout ce que je retiens. Et je retiens aussi que je n'ai pas eu de nouvelles avant 23h59. Pour les armes, alors si tu veux pas me dire où elles sont, on me donner quelque chose, je vais venir les chercher, l'île des villes, j'arrive. À droite. Vous arrivez où? Ici là, à gauche. T'inquiète pas, tu vas devoir venir. D'accord. On a survécu à des murs. Brûlez là, elle. C'est qui ça? C'est moi, c'est moi. Big Lai. Fais quoi, on va où? Et y'a qui dash block là, y'a qui? Ouais, y'a moi, ouais. Non, vous êtes où là? Y'a que toi? Ouais. Ah, moi de Seb Side, y'a Ice. Non, y'a Ice. Ils étaient tous. Ah non, y'a. Y'a elle. Bigger, il s'est fait péter en dernier, je crois, avant. Oh lolo, c'est la merde. Arby s'est fait péter. Les gars, y'a plus que des Seb Side. Non, y'a l'Age, je suis H-Block, moi. Les gars, on fait quoi? Eh, regarde. Même l'Age, on est là. Toi, frère. J'ai appelé. Toi. T'es le nouveau leader de l'émeute. Au revoir, je me barre, je dois faire un truc parce que là ils vont nous percuter. Moi aussi je dois faire un truc moi. Non mais là, tiens l'émeute encore. Refaites une dernière attaque. Ok. On est 7. Comme ça, on est les gars, vous êtes... Les gars. Voilà, allez-y. Voilà, t'es un mec dash block. Les gars. T'es sûr que tu vas les skiller? Il biquait, il cop skiller. Mais je suis gaffe, viens, faut qu'on déplace tout. Ils m'ont dit, ils vont perquis, ils vont tout prendre. On met ça où? Je sais pas. Qui là-bas? Les apparts derrière, c'est chaud, non? Bah ouais, ils vont tout raser. Putain. Ouais, c'est qui? Ouais. C'est qui?
Certain. Ah non, non, vas-y. Y avait Oscar qui vient de se barrer, ils ont arrêté. Eh, les gars, ils ont arrêté Big Air et ils ont arrêté Ibsen. Ok, vas-y. Rejoins les autres. C'est qui ça? C'est JB? Vas-y, reste avec nous, vite fait. Allô? JB, ramène une voiture devant, on va déplacer tout ce qu'on a parce qu'ils vont tout nous prendre là. Vas-y. C'était une dinguerie la manif, hein. De fou. Grosse pute, grosse chienne. Chienne de guerre. Ah, t'as donné les clés en plus, cette crasseuse. Ouais, j'ai les clés. Mais c'est vraiment une pute. En fait, elle casse avec moi. Elle passe un. Ah, de moi, tirer à la tes clés. Mais tu sais que là, tu peux la gérer, hein. Gère-la. Cette grosse pute, sa chatte qui pue là, cette chienne. Mais tu veux que je dise la vérité ou pas? Cette grosse pute là, ouais. Bon point de vue. Ouais. T'es encore amoureux d'elle? Ouais. Bah oui. Il est con lui. Mais bon, elle veut pas baiser, donc elle baisse sa mère. C'est quoi l'histoire en gros? C'est quoi? Bah elle m'a cramé, là le C'est quand? C'est quand que t'as cramé? En gros, elle a cramé, j'avais Tinder, j'ai eu des matchs avec un tel, elles ont toutes poucave, tu connais. Ouvert. C'est une vieille chienne, ma gueule. Bah les couilles. Qui Layla, ma gueule. Eh ouais, vieille chienne, ma gueule. T'as tout dit, ma gueule. Il est passé où, ma gueule. Il est passé où, Deville, là? Il est passé. Allô. Où, Deville? Eh, bougez-vous, y'a un convoi de fils de putain, c'est abusé. Oh là là, eh, Askip, les gars, eh. Askip, y'a un convoi de fils de pute qui va à H-Block. Faites vite, faites vite. Vous êtes toute la gueule drôle, j'espère. Mais vous êtes où? T'es où? T'as fermé. Oh, vite. J'y vais. Oh là là, tous les camions qui arrivent. Venez, vite. Venez. Vas-y. Vas-y, gros fils de pute, vas-y. J'y vais. Par pitié, aide-moi. Putain, mais t'es une merde. Cousin, mais en plus, je comprends pas. Tu taffes, cousin. T'as du genre? Ouais, j'ai du genre, mais tu veux que je fasse quoi ici? Ils sont pas les couilles, là, non? Bah non, wesh, mais pour ton plaisir. Je prends grave du plaisir avec vous, les frères. Putain. Il a de l'argent, c'est ça le pire. Il est fou, ce mec. Et ils sont où, le reste? Venez. Ils sont où? Oh, j'ai des cocktails ou pas? Non. Attends, ils sont en train de déplacer, là. Ils sont en train de déplacer le reste. Les gars, il se passe quoi? Rien, faut bouger. Venez, on va à H-Block, venez. Ouh, Ice, élégante, hein, j'aime beaucoup. Merci. Très mal habillé, j'aime beaucoup. Très mal habillé, j'aime beaucoup. Eh, cocktail ou pas, Arv? Non. Attends. Je supprime. Meuf. On fait quoi? Ah, on fait quoi? Ils sont en mode fouille. Là, ils sont. Ah, je t'explique. Hey, y a des mecs qui sont en train de déplacer. Et là, on va dans les autres. Vas-y. Ah, les gars, ils sont énervés là. Manuel, ils cherchent pas à comprendre. Aïe. Mais non, y'a rien. On a rien. On vient voir ce qui se passe. Les gars, on a rien du tout. On vient voir ce qui se passe. Il se passe quoi? Main en l'air. On bouge pas. Main en l'air. Oui, d'accord. Oui. Ok. On a deux individus. Perquisition, monsieur Deville et Arve. De 55, on a monsieur Deville avec Arve. Arrêtez-le. Par en 10-56. Il vient de sortir. Viens là. Enculé, viens là. Il est sur le rond-point, il va aller sur le rond-point. Viens là. Il est sur le camion. Ah, Kayla. Oui. Arrêtez-le, cette vermine. Oh là. T'es allé de vol. J'ai rien. Très bien. C'est bon. Alors, on court, petit lapin. Ah. Ça fait plaisir d'être au stand là.
Apparemment, on a repris le quartier. Il joue laser. Qu'est-ce qui se passe? C'est le laser. Oh, monsieur Deville. Il va pas bien, lui. Elso, simplifiez-nous le travail, on va. Mais je sais pas, je vous jure, je sais pas, c'est pas nous. On va retourner le moindre. Je vous jure, commissaire. Le moindre coussin, tout. Je vous jure, c'est pas nous. Retourne tout, retourne tout. C'est pas bien. Aïe, on va tout fouiller, on va tout retourner, donc dis-moi le moi. Je vous jure, c'est pas nous. Dis-le-moi, l'île des villes. C'est pas nous, je vous jure, c'est pas nous. Là, c'est pas nous, j'ai cherché partout. C'est pas nous. Il ment. Arme, drogue. Tu mens. Tu mens, l'île des villes. Dis-moi où sont ces armes, Shaquille. Je sais pas, je sais pas. Tu sais pas, tu es sûr, tu es sûr, tu sais pas. Non, je suis sûr, je suis sûr. Très bien, fais vivre en enfer là. Les agents dispersez-vous, ça en rendra sûr. Allez, viens. Allez, il faut des personnes pour transporter tous les bâtiments là. Jusqu'à l'intérieur, venez, suivez le SWAT devant là. C'est fini, tout ce qui est. Allez. Tout dans les fourgons, c'est les fourgons. Un milliard, sa grande mère, il y a combien de jours. Ah bien, en dehors du SWAT, je veux que tous les agents sécurisent le quartier, d'accord? Personne ne rentre, personne ne sort. Je veux savoir quand est-ce qu'ils pissent, je veux tout savoir. Dedans, s'il vous plaît. Tenez. Alors, quand ils t'ont fait quoi, mon frère? Je suis pas le malfrat. Ils m'ont tasé, bavure. Putain, mon trac et tout. Je suis pas, tu te tais. Très bien, les conducteurs des fourgons, s'il vous plaît, les fourgons bleus. Les fourgons bleus, vous les prenez. Je la fouille en même temps. Ouais. Non, mais je m'en occupe, vas-y. Du coup, juste, celui-là qui a le bonnet et celui-là qui est en bleu, ils ont rien sur eux parce que je leur ai déjà confisqué tout à l'heure. Si, si, moi j'en ai un qui a le ciseau, j'en ai un qui a un ciseau. Okay, tu as eu leur droit pour leurs armes? Moi j'avais pas d'objet contendant, hein, monsieur l'agent. Non, pas encore. Les ciseaux, c'est rien, les gars. Allô, maman. Il est coiffeur. C'est une arme blanche. Allô, maman. Mais si tu utilises, parce que je ton téléphone, toi. Je coiffe au quartier. C'est qui? Fais-le raccrocher son téléphone. Raccrochez, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Ouais. Je vous appelle parce que. J'ai pas encore fait droit en fait. Il est quoi? Prends le son téléphone dans sa main. Attendez. Pourquoi? Dans un coma, s'il vous plaît. Aïe, on prend mon téléphone. Allez, je prends ça. C'est le papy. Allez, tout le monde, vous les emmenez tous dans les transporteurs, d'accord? Tu viens avec moi. Allez, monte au dessus. Comment ça avec les transporteurs? Allez, on a pas ça. Le papy. Allez, on avance, monsieur. Qu'est-ce que tu fais, monsieur Deville? Je sais pas. Je sais pas, je monte à l'avant avec toi. Le mec, on aura besoin. Y'a quoi? Ah, il t'a dit quoi, ce bâtard là? Je sais pas, cousin. Allez, dans les transporteurs, mettez-les dans le transporteur. Ils ont tout pris, la vie de ma mère, ils ont tout pris. Putain, tu vas bien être en cellule, t'inquiète. Voilà, tu viens avec moi. Allez, mon tir. Tout le monde en prison. Allez, débile, avance. J'ai rien. Putain, en plus, vous nous en. Ah oui. Les petits chiens, les petits chiens, avance, tout le monde. Les petites chiennes, monte. Les gars. Mon dos, mon dos. Pardon, allez, s'il vous plaît. Tout le monde, transporte tout le monde, d'accord. On va où? On va où? Monte avec ta couleur sauce tomate, allez, monte. Vas-y, ferme ta gueule, mon petit chien. Monte, ce chien de guerre. C'est quoi? Monte, je t'ai dit là. Et pas de le répéter, tu montes. Oui, 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 oui. Voilà, dépêche-toi. Viens où? Eh. J'ai du mal. Tu vois bien le véhicule. C'est quoi ça de matraquer quelqu'un là? Dites-moi, je vais sinon je rentre chez moi là. Putain, wesh. 10-4, commissaire. Eh, monte dans le véhicule, toi. Discard, ta grossette, là, reviens. Je vais où? Je vais où? Donne pas d'ordre. Tiens, Bibi, je donne des ordres. Ouais. Monte dans le véhicule. On a à dire. Attends, laisse-le. Voilà. Attends. Et ville. Y'en a un qui se barre. Ouais, oui. Tiens, descends le véhicule. Ah, y'a plus de place. C'est Arve qui se barre. Baissez-le. Ouais, vous êtes fiers de tout ce que vous faites là. Allez, faites-le monter. Affi. Je vais mettre des surflex. Tu montes avec eux? Ouais, je vais monter avec eux, ouais. Une énorme monte. Faut prendre les clés du coup. Fille. Tiens. Je vous la porte là. Il est où Arve? Faites-le monter dans la PC bleue. On God, Arve, on God. PC bleue au niveau du rond-point. Allez, mais c'est une PC de merde. Très bien. Tout le monde est dans les véhicules respectifs. C'est ça là, ça. C'est sûr. Allez, monte. Madame. Oui. Allez, monte. Je suis un souci avec mon hélico, commissaire, mais je ne peux pas rentrer. Montez dans un véhicule. Et tout le monde a vos véhicules et on dégage, hein. Une énorme montée.
95, j'ai un transporteur, il n'y a plus de clé. Si je comprends bien, son matricule c'est 33, ça 82, vous gérez les problèmes de clé. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Malty, merci mon frère. Très bien. Très bien, ne partez pas sous mon top, d'accord? Vous reformez le convoi correctement, d'accord? À partir de maintenant. Vas-y, bah donne-moi 19. C'est là, là. Très bien. Là, on est bon, commissaire. Alors, monsieur Shaquille Vélez, mes couilles, tu es là? Oui. Attends, de quoi? Vous êtes là, quoi? Passion, et où? Ah, putain. 9, tu es là? Vous mettez vous mettez complicité 96, je pars sur tu sais quoi. On met quoi le nom? 96. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On part sur ce que vous savez. Sur ce que je t'ai parlé tout à l'heure. Très bien, vas-y, fonce. Incitation à la haine. Voilà, on remet la Loireco, il a une bonne idée derrière. Loireco, vous mettez 19. C'est quoi Loireco? Attends, 19, il y a pas mieux avec 60. Vous inquiétez pas. Ça inclut tous les gangsters, voilà. Ça va les mettre dans une sauce, au menu mental. Vous vous disiez Loireco, d'accord? Vous les baisez tous. Allez, on avance, venez. C'est des putes de Farrell, il est con. Putain. Vous avez dit, Minguin. Ah là, on vous a laissé un peu de lest en plus, hein. Je vous ai dit, laissez-moi quelques jours, monsieur le commissaire. Écoutez, ouais, je vais me laisser l'opportunité d'aller danser un petit peu au triangle, n'est-ce pas? Oui. Bon! Regarde-moi, Devil. Oui. Regarde ce mandat. Oui. Shaquille Vélez, Triangle Club. On rentre, oui. Tu nous dis où sont les armes. Mais c'est pas moi le patron du triangle, monsieur. Ramenez les danseurs. De quoi? Rentre ou tu nous dis où c'est? Mais je suis pas le patron du triangle. Rentrez si vous voulez, mais je suis pas le patron. Oh, si tu es le patron. Bah non, c'est Leïla. Elle s'appelle Leïla, Idrissi. 96. Oui, commissaire. C'est qui le patron d'ici? C'est une très bonne question. Nous, on est les gérants, mais... Non, ta gueule, toi. Y a un patron, c'est pas nous. C'est pas à nous, le triangle. C'est pas vous. Vous êtes sûr? Bah oui, vérifie, hein, y'a pas de problème. Je vais passer un coup de fil. Pendant que je vais m'aventurer. Quoi? Ah oui? Oui, la soirée? Je vais appeler. On a récupéré tout le monde là? Hein? On a tout le monde là? Le SWAT s'il vous plaît! SWAT devant le triangle. Préparez une colonne d'assaut devant la porte, d'accord? Pardon. Connard, va! Allez, prépare ta colonne d'assaut devant la porte, d'accord? Je passe un coup de fil. Si on me dit que c'est lui le patron, rentre! Commissaire, il faut mettre des unités près du Pounder et véhicules blindés pour les saisir. Il faut mettre les unités là-bas. Oui. Allez, colonne d'assaut là, dépêche-toi là. Putain, gros con. Pas en boîte, les gars, mais non. Apparemment, c'est pas maintenant qu'on peut danser. Hein? Espèce de grosse merde, Devil. Marc, il a écrit quoi grâce à Allah? C'est vrai, mais bon. On va mettre tous nos enquêteurs dessus. Et tu vas voir bien qu'on va trouver quelque chose là-dedans. Non, mais moi je suis rentré une fois, on va rentrer 6 fois. Je suis vigile, moi, au triangle. Harvey, les gérants. Ah oui? Et c'est Leïla, la patronne. Ah oui? Ouais, c'est ça, Harvey, non? Leïla, c'est qui pour vous? Oui, c'est la patronne. Ah, une collègue bonne. Ah oui, vous la baisez? J'aimerais bien. Ah oui? Mais c'est pas avec votre tresse de salope que vous allez faire quelque chose, hein? Bon, allez, on y va. Merci. Écoutez-moi bien, les deux gugus. Les armes, vous pouvez vous en refaire toute votre vie, votre quartier. Je vais le prendre. Comme j'ai dit à Harve, l'île des villes, je vais le prendre, ton quartier. Je vais faire des logements pour les flics gratuitement. Je vais les louer sur eux. Tu comprends, ton quartier, ça va être le mien.
C'est être un quartier de bonnes personnes, de personnes qui ont étudié à l'école, des personnes qui sont là tous les jours et qui ont foi en l'humanité, pas comme vous, bande de gros cons. On a foi en l'humanité. Ah oui. Bien sûr, et il y en a, ils sont partis à l'école. Quoi, ce jugement? Oh, c'est mignon. Bah, c'est vrai, bah, c'est vrai. Oui, oui, l'école, oui. L'école avec un H. Aucunement, je... 96, l'école ça existe ici? Bah oui, bah oui. Oui, commissaire en soi, oui. Oui, il faut passer l'idée quand même. Par contre, on n'apprend pas ça là-bas. Ah oui, ça c'est... C'est vous qui leur apprenez. Non, non, c'est pas nous. Moi j'étais contre les manifestations. Ah oui, vous étiez contre, bah oui, bien évidemment. Oui, j'y étais parce que voilà, c'était pas... Je t'ai vu là-bas, tu courais avec des menottes en main. C'est vrai, mais bon, j'ai pas... Tu comptais quoi, les récupérer pour faire du BDSM? C'est ça, c'est ça. Ah oui? Vous aimez bien, vous, ça? Oh, quand ça touche à la torture, j'aime bien, oui. On se voit vu, il aime se rattacher, je vois des trucs. Oh, princesse, tu te tais, toi, derrière? Oh, mais je vous sens, monsieur le commissaire. Oui, oui, moi aussi, je vous sens, et l'odeur est forte, apparemment. Bizarres, hein. Il y a des délires bizarres, vous vous accrochez à... Laissez-moi passer! Ça vous a plu les petits barrages? Non, je vous en ai cramé vos barrages. Moi j'étais là, vous avez mettre biche. Connard. Écoutez-moi bien, fermé, les deux guignols. On a tout fermé le Bronx. Écoutez. Jusqu'à demain, quand vous allez faire ça? Oh, mais je vais vous le dire, je vais vous le dire. Jusqu'à ce qu'on récupère toutes les armes, vous comprenez? Écoutez, c'est soit je récupère les armes. Au compte de goutte, toutes les armes, pas une de moins, pas une de plus. Oh bah si, de plus si vous avez, c'est, je suis preneur, hein. C'est des intérêts, on va dire. Si jamais vous me les rapportez pas, je vous le jure, sur moi-même, d'accord? Parce que je me considère beaucoup. Je vous le jure sur moi-même, sur la tête du lieutenant, que je vais fermer votre île. T'entends des villes, t'entends. Et le Bronx sera le nouvel Alderney. Exactement, très bonne idée. D'ailleurs, quelqu'un m'a donné une merveilleuse idée. Vous vous souvenez, un grand sage a dit un jour, fermer l'électricité à une île est aussi simple que mettre une botte dans un foin. C'est monsieur Montgomery qui a dit ça, vous vous souvenez? Un fils de pute, lui. Ouais. Pourrit bien là où il est. Alors, monsieur Montgomery était un sale raciste, exactement, mais... Comme vous, comme vous, comme vous. Pardon, je suis raciste, vous aussi, moi. Vous aussi, oui, vous aussi, vous écoutez, Harve, on en reparlera quand on sera en prison, hein. À vous, pas moi, hein. Vous quoi, non, vous il va en prison. Écoutez, ce qu'on vous reproche, c'est qu'on a trouvé... Au moins, je sais pas quoi. On a trouvé quoi là-dedans? De l'extasie, de la weed, du crack, des armes? Et bien d'autres choses. Ah mais oui, combien de tonnes? C'était chez qui? Je m'arrangerai pour dire que c'est chez vous, Harve. Après tout, c'est votre quartier, non? Monsieur le commissaire, laissez-moi 3 jours. 3 jours. 3 jours. Non, une pourquoi, semaine. Pour faire la semaine. Ville? 3 jours pour enquêter et 3 jours pour trouver. Ah, vous devenez enquêteur maintenant? Mais parce qu'on doit questionner tout le monde, on a même pas eu le temps. On va parler à l'école maintenant. Ah, vous avez pas eu le temps. Bah en un jour c'est compliqué, monsieur le commissaire. Et voilà, on n'est pas... On n'est pas agent de police. Ni enquêteur. Écoutez, vous avez eu tout le temps, vous avez eu 24 heures et vous avez vu préférer quoi? Vous nous avez donné une semaine, commissaire, vous nous avez donné une semaine. Je vous ai donné 24 heures pour nous donner signe de vie. Vous avez pas fait, je l'ai dit, à minuit une, si pas signe de vie sur l'avancement des enquêtes, je viens perquisitionner. Ah mais moi j'avais pas okay, compris écoutez, ça. Écoutez, moi j'avais pas compris eh ben, ça. Allez, écoutez, monsieur le commissaire, laissez-nous 3 jours. On vous donnera signe de vie et on s'occupera de ça. Nous devons bien enquêter, on peut pas enquêter en 24 heures. Descendez, vous faites les malins. Oui, vous prenez écouter le motoformat, format, vous venez lancer, c'est drôle, hein. Allez, contre le mur, brigand. Ah merde, mon radio n'est pas allumé. J'ai parlé dans le vent. Oui, commissaire. Mettez-les contre le mur, au code rouge. Très bien, mettez tous contre le mur. Très bien. Collez-vous, les vermines. Allez avec vos confrères brigands.
Très bien, c'est tout ça qu'on a arrêté ? Oui, commissaire. Très très bien. Quelqu'un a des cache-blocs ici ? Ouais. Ah oui ? Qui est d'H-Block même ? Retournez-vous. Allez-y, assumez vos origines, hein, tant qu'on y est. Ouais, ouais, ouais. Monsieur l'île des villes et monsieur l'autre connard, vous retournez pas, vous ? Vous assumez pas ? Et vous, là, avec la veste débile, vous assumez pas ? Ah, moi, je parle à moi. Comment ? Toi, ta gueule, toi. Oh ! Oh ! Oh ! Alors, toi ? Non, non, essuie-moi ! Essuie-moi ! Oh, il est bien parti, celui-là, Oscar ! Oh, Oscar ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai rien fait ! Bouge pas ! Ça, c'est le, hein ? J'ai dit zup ! JD Zap! C'est qui JD? C'est celui qui est parti? JD prison, mais vous pourrez faire crier FreeDJ après. Bon, les débilos, je vais faire une liste longue comme un bras pour vos chefs d'accusation. Comme ça, vous allez bien être promis tous, d'accord? Non. Laissez-moi une minute pour tout réfléchir. Lieutenant, dites-moi tout ce qu'on peut leur mettre. Alors. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, monsieur le commissaire. Trois jours, une semaine. Commissaire, une semaine, oh non. On sera plus utile dehors qu'en prison. Tous les jours, on fait un débriefing, tous les jours. On sera plus utile dehors qu'en prison, monsieur le commissaire. Oui, vous n'allez jamais rien trouver, là, sinon. Réfléchissez. Voilà. On prend maintenant ? Quoi ? Pourquoi ? Ouais. Oh, voilà. Voilà. Range ta main, toi. T'as compris ? Tu vas voir faire ça, tu finis à pied, tu dégages. Ah, oh, t'es bon, Varel, t'es bon. Enfin, Ronnie. Tu connais Ronnie ? Hey. Ah non, les salopes, vous m'entendez ? Ouais, on t'entend. Très bien, est-ce qu'il y a un global ? Qu'est-ce qui chute sur le camion là, là ? Quel est ça ? Sur celui-là, là, mais là-bas, je peux sauter sur le toit dessus. Salope, ça m'étonne pas de vous, hein. Bon, tout cela, vous êtes arrêtés pour les chefs d'accusation suivants. On est actuellement le 17 du 5 2022, il est 2h08 du matin. Vous êtes actuellement arrêtés pour les chefs d'accusation suivants. Tentative de meurtre sur Jean l'État, possession d'armes illégales, possession de stupéfiants en grosse quantité, possession d'armes de catégorie 1 et 2, mise en danger d'autrui, prise d'otage, agression sur agent d'État, terrorisme et vous êtes appliqué à la loi RICO. Voilà. Putain. Vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit à un médecin, à manger, à boire. Tout ce que vous direz sera retenu contre une cour de justice. Et maintenant, vous allez direction la tôle. Attendez, monsieur le commissaire, laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous parler en tête à tête. Quoi ? Non, on parlera en salle interrogatoire. On va parler, on aura tout le temps parlé là en prison. Allez, amenez-les tous en prison. Allez, avec moi. Tout le monde était fouillé déjà, allez. Hein ? Ouais, Pix, bon. Les gars, au calme. Vous revérifiez, d'accord ? Chacun prend une personne. Chacun prend une personne. Et vous les amenez un par un, d'accord ? Vous vérifiez en fouillant. Allez, casquette, tu viens avec moi. Allez, vous prenez un par un. Vas-y, je te suis, le vieux. S'il vous plaît, vous amenez. Venez au brigand là. On va tous les mettre en prison. Ah, tu connais, je vais lui faire un petit boulot. Ah, fais-lui ça. Allez, grouille-toi. Commissaire, on sera plus utile dehors que dedans. Oui, oui, on verra. Vous le savez, ça. Ça me fera plus plaisir, en tout cas, quand vous soyez dedans que dehors. Ouais, mais je pense que vous voulez retourner. Lieutenant, venez en salle de retard, s'il vous plaît. On est actuellement les seules personnes du monde qui peuvent vous faire retrouver vos armes, et vous le savez. Ah, maintenant vous pouvez. Ah. Si elles ont vraiment été volées, on est les seuls. Allez-y, je vous dis pas ce que vous devez faire, asseyez-vous. Je m'assois. Je veux un café, là. Et lieutenant, ramène-moi ta gueule, tu n'auras pas de café. Lieutenant, viens à la salle d'interrogatoire, s'il te plaît. Et ramène-moi un café bien chaud pour moi. Je coupe radio pour moi. Occupez-vous des trous du cul en prison, d'accord ? T'as pas eu les droits. Bon. À nous trois. Ouais, on se revoit tous les jours, apparemment. Vous m'avez pas pris au sérieux hier, apparemment. Je pense que j'ai été assez clair. Là. J'ai ramené encore plus d'unités, messieurs, dames. J'ai fait venir des gens de d'autres postes de police.
J'ai fait venir des forces supérieures de véhicules, des forces très très entraînées. J'ai eu de l'argent en plus pour votre petite gueule parce que vous, bande de malhonnêtes citoyens que vous êtes, vous détruisez nos véhicules volontairement et avec plaisir en plus. Alors, le coût que vous estimez pas exceptionnel, moi je le trouve un peu excessif de racheter des voitures tous les jours, vous comprenez ? Oui. Merci. Il est bien chaud ? Il est bien chaud. Ouais. Très bien. Deux sucs, s'il vous plaît. C'est pas pour toi, salope. Ok. Bien. Alors, elles sont où ces armes ? Commissaire, on n'a même pas eu le temps de... On a questionné, mais pour l'instant, personne ne se dénonce. Ça veut dire, faut nous laisser un peu de temps. On a besoin de plus de temps. La vérité prend l'escalier, comme on dit. Et vos techniques de brigand, elles sont où ? Ouais, c'est-à-dire ? Les intimidations, vous savez le faire, ça, non ? Le que je vous dise ce qu'on a fait, je vais aller droit au but. On a pris les mecs, on les a séquestrés, je les ai séquestrés moi-même. J'ai pété 2 rotules hier soir. Oh, c'est trop chaud. Oh. Vous avez pété 2 rotules ? 2 rotules hier soir. Ça m'a parlé. Donc s'il faut que je continue une semaine, je vais le faire. Mais je vous le dis, on n'a pas vos armes. On n'a pas vos armes. Maintenant, si elles ont vraiment été volées dans le Bronx, on va faire parler tout le Bronx. Mais on a besoin de plus de temps, pas de 24 heures. Sortez, s'il vous plaît. Sortez, s'il vous plaît. Ta gueule, toi. Écoutez, plus de temps égale problème. Vous êtes un problème pour la ville, vous comprenez ? Là, à partir de demain, je vais bloquer les ponts et je vais m'arranger pour faire comme Montgomery. D'accord ? Je vais vous baiser votre vie, vous comprenez, vous deux ? Je suis... Mais c'est pas nous, ça se trouve, vous trompez de cible, ça se trouve, c'est... Je sais pas, non. Dans d'autres quartiers, dans d'autres sets, à l'est... Écoutez... Oui. Je suis en train de mourir, hein. À petit feu. Et c'est pas vous qui allez me faire mourir plus vite. Ça se voit de quoi ? Bon, lui m'énerve. C'est vrai, commissaire. Vous avez un âge avancé, quoi. Arrêtez, c'est bon, j'ai un sujet. Posez-leur des questions, posez-leur des questions, je vous en prie, le nom. Vous avez confiance sur vos gens de votre quartier ou pas ? Oui, le nom, oui. T'es sûr de ça ? Oui, la plupart. Donc tu vas me dire qu'il y a des mecs de votre quartier, des gens qui sont rentrés dans votre quartier, qui ont fait les véhicules, qui ont récupéré les armes et qui sont barrés avec. J'ai glissé. Arrêtez, commissaire, arrêtez. Tu en veux, tu as soif, tu voulais un café ? Tu en veux ? Non. Alors, qui s'appelle ? Tu es sûr ? Vous n'avez même pas une idée, rien. Rien du tout, lieutenant. Ah, fils de pute ! Rien du tout. Non, mais on a con... En fait, peut-être, moi, je pense personnellement que c'est un petit, un adolescent de 14 ans qui est tombé dedans, qui a tout pris, mais il veut pas se dénoncer parce qu'il a peur. Faut nous laisser du temps, faut juste nous laisser du temps pour qu'on puisse... Creuser et savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passe, moins il y a de chances de récupérer ses armes. Ça, vous le comprenez. Et pour l'instant, je vous jure, je pense qu'elles sont... Je sais pas... Je sais pas, pour l'instant, où elles sont. On ne sait pas. On a besoin de plus de temps, hein, monsieur le lieutenant. Je vous le dis. Je vous ai dit hier, j'ai pété 2 rotules. 2. Pour faire parler des mecs. Alors, je croyais que tu avais confiance dans les gens de ton quartier. Oui, mais c'était pas des mecs de mon quartier, justement. C'est des mecs d'un autre quartier du Bronx. Qu'est-ce que vous trouvez à vous deux ? Comment ça ? Qu'est-ce que vous avez en commun, vous deux ? Bah, H-Block. Quoi d'autre ? C'est déjà beaucoup. Ah oui ? Et vous êtes connu comment ? À la maternelle. Dites-moi comment vous êtes rencontrés, vous deux ? Allez-y. Je lui ai raqueté son goûter, il a pleuré. Et après, on est devenu. Il ment, c'est un putain de menteur. Ah oui, vous êtes fait raqueter, vous avez pleurniché, monsieur Lille-Déville. Sa mère, elle descendait à H-Block, elle partait faire les courses. Arrête. J'ai jeté un œuf sur la tête à sa mère. Okay. Après, ils ont ramené son grand frère. Mon grand frère, il s'est embrouillé avec mon père. Après, du coup, on s'est connus comme ça.
Un menteur, c'était la version 1. Mais qui m'a racketé? Que tu me racontes, toi? Tu m'as jamais racketé, toi, t'es fou. Ma mère, tu m'as jamais racketé. Ah oui. Arrête, pourquoi t'assumes plus là? C'est vous, monsieur Arve, qui avez formé monsieur Lizéville? Tu peux avancer, va de l'autre. Il a 2 ans de plus que moi, il m'a informé du tout. C'est votre petit? Regardez, il a les mêmes tatouages que moi. Il est fan de moi. C'est vous copie. Je vois ça, je vois qu'il est fan de vous. Il prend exemple. Vous avez quel âge, vous, monsieur Arve? 25. Et vous, monsieur Lizéville? 22. Ah oui, vous êtes son petit. Ah oui, là oui. Hein. Vous lui avez tout appris. Il a 3 ans. Vous avez redoublé en maternelle? Ouais, j'ai redoublé par contre. Vous avez vu, pourquoi il ment? On n'a même pas le même âge. Il s'invente une vie, il a racketé personne. Mais non, j'ai commencé l'école 3 ans après, c'est tout. Ah oui, vous mettez d'accord. Ça se voit, le retard, il est loin. Hein. Ouais, j'ai commencé l'école à 6 piges, il en avait 3. Pardon? Vous avez commencé la maternelle à 6 piges? Ouais. Ah oui. Ouais, je comprends le défi sur mental alors. Hein. Et ça fait de moi un king à l'heure actuelle quand même, t'as vu? Oui, un king de la médiocrité, de la racaille. Sur une chaise et dans la merde. De l'état civil un peu rabaissé, quoi. Hein. Bon. On est tout ce que vous voulez, mais on n'est pas des voleurs. C'est pour ça qu'on prend du... Ouais, c'est ça. Et surtout, c'est pour ça qu'on est un peu... On n'est pas très malin. Donc, il nous faut du temps pour trouver qui a fait ça. Moi, je suis prêt, chef. Je veux négocier juste pour les barrages. Moi, j'ai une proposition. Je t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Je vous propose, parce que là, si vous refaites un barrage demain, même si nous, H-Block, on fait rien, on essaie de calmer les mecs de chez nous pour ne rien faire, c'est peut-être les safe sides, c'est ça. Les autres gens du Bronx, ils vont vouloir, ils vont faire. Il y a pas H-Block dans le Bronx. Hein. Il y a les safe sides, il y a plein d'autres petits quartiers avec des crapules autant dangereuses que nous. Tant mieux, ils se retourneront contre vous. Oh, croyez pas. Non, mais écoutez, moi, ce que je propose, c'est au moins pour les deux prochains jours, au lieu, vous faites pas de barrage, vous fermez 2 ponts. Voilà, on est prêt à faire un geste, on calme le Bronx, vous fermez 2 ponts, vous laissez un pont libre, et voilà, une seule entrée, mais vous fermez les 2 autres, et pas de barrage. Et nous, on négociera, et on fera croire à la population du Bronx que oui, c'est à cause de nous, vu qu'on a jeté des cocktails, qu'on a brûlé les ponts. Et eh ben ils sont plus accessibles, donc ils sont fermés durant indéterminé, le temps qu'ils les réparent. Et voilà, il reste un pont. Vous nous fermez 2 ponts, ça nous met mal. Et puis voilà, quoi. Tout le monde est gagnant-gagnant, on calme les deux côtés, et on fait notre enquête. Et vous nous laissez quelques jours pour l'enquête. Qu'est-ce qu'on gagne à fermer 2 ponts? Ça sert à quoi? À limiter l'accès au Bronx. Ah oui, bravo. Ils font un tour de 1 km et c'est fini. Oui, mais bon, c'est quand même... C'est inutile, exactement. Un petit contrôle sur le Bronx. Écoutez, tout brigand qui voudra aller au Bronx passera par le pont qui n'est pas surveillé. C'est évident, donc votre technique est inutile. Mais non, après vous avez qu'un pont. Et du coup, vous pourrez mettre des patrouilles. Il n'y a qu'une entrée dans le Bronx. Ça vous facilite beaucoup plus le travail. Non, ça monopolise les agents pour rien. C'est soit on bloque tout, soit on bloque rien. Écoutez. Sur mon plan, vous trouvez un bon argument. Vous allez me dire qu'en 24 heures, vous n'avez pas récolté une once d'informations. Même pas une petite. Écoutez. En 24 heures, je vous ai dit hier, j'ai cassé 2 rotules. J'ai interrogé des personnes qui étaient là. Tu as cassé? Oui. Tu? Et Deville, toi, t'étais où? C'est lui le king, hein. Moi, je l'ai suivi. Ah, c'est lui le chef? Oui, il était là. Oui, il était là. C'est qui le vrai chef entre vous deux? Quoi cette question? C'est encore heureux que c'est moi. Très bien. Et vous, monsieur Deville, vous faites rien? Vous avez fait quoi? Bah, moi, j'ai posé des questions. J'ai mis 2-3 baffes. Parce que j'ai frappé des frères à moi, mon petit frère, je l'ai frappé. Et voilà quoi, et tout le monde m'a dit non, c'est pas eux. Ah oui, vous avez des techniques très... Stade, toutes les personnes qui étaient là, la quasi-totalité de toutes les personnes qui étaient là ce jour-là, ont été interrogées, à notre manière. Il reste encore quelques mecs qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement, parce qu'en 24 heures, c'est trop peu. On était des centaines. Elle vient d'où la drogue, ça qui? La drogue? Oui. Vous êtes pas innocent, hein? Le chef. Ah,
Dis-nous, elle vient de la drogue. C'est un 7, hein, ça consomme un peu de partout, on sait pas. C'est... Oui, oui, la consommation, enfin, là, d'accord. Vu le bâtiment, c'était clairement pas de la consommation perso. Hein. C'est pas de la consommation perso. C'était monsieur, il y avait des plans dedans. C'est où les dealers stockent leur drogue. Ah, oh, sacré dealer alors là, effectivement, oui. D'accord, c'est qui? J'ai 25 piges, des noms. Je vends plus des drogues, je vends plus de la drogue dans la rue, moi, personnellement. Des noms. J'ai lâché ce business, moi, je suis plus dans la rue. Je suis plus là à surveiller les stocks, moi. T'es plus king, au final. Ouais, tu es plus si, chef. Si, si. Tu touches rien. T'étais king en maternelle, stocks. Quoi, c'est tout. Hein. Oui, d'accord, oui. Tu touches rien de cette drogue, tu n'as aucune vision, tu n'as rien. Non, les dealers s'occupent de faire ce qu'ils ont à faire, à prendre leur bénéf dessus, et c'est tout. Moi, je sais pas... Qui va pas le croire, qu'un appel. Je sais pas où, l'argent. Ah, allez, le chef, on porte ses couilles. Questions, commissaire, je pose beaucoup de questions. Ah oui, je pose beaucoup de questions, tu trouves? Je trouve pas. Vous trouvez 96? Non, commissaire. Bon, on est d'accord, hein. Arme. Ça va. Et vous où cette drogue? Je prends une partie. Très bien. Tu le mets où cette partie? C'est bizarre. Mais pourquoi? Chez moi. C'est où chez toi? Vous l'avez perquis chez moi. Très bien. On a trouvé une somme d'argent conséquente ou pas? 96? Pas du tout. Très bien. Arrêtez. Elle est où la thune? Pas, j'avais laissé les 500$ chez moi. Merci. Non, le pour le 8e vous avez mois, raison, merci. Monsieur Arvounet. J'ai une idée. Venez, monsieur 96. Restez sage, les enfants. Ferme la porte, Gugus. On va geler ses comptes bancaires. Tu quoi? T'as dit tout ça. Vos cousins veulent leur donner quelque chose à manger, tu crois quoi? T'as commencé, t'as dit c'est un 7, hein. Ouais. Je sais pas, moi je voulais être flou. Ouais, mais... Ta gueule, toi! On a un petit peu tout sur vous, une salade de fruits. Alors, écoutez, on va pouvoir parler. Je vous propose que vous me retrouvez les armes le plus vite possible, d'accord? Et c'est bien pour une raison, c'est que j'ai besoin de ces armes. Mais au bout, je vais vous donner la date exacte. La tête de moi. Ah, mais non, je suis occupé là, ça y est, putain. Moi j'ai compris. 3 jours. Compris, monsieur le commissaire. Si vous retrouvez pas ces armes-là, vous êtes viré. La direction, c'est ça. Du coup, vous nous mettez pression. Alors, on n'a rien à voir. On demande une semaine. Une semaine. 3 jours, c'est trop court. En 3 jours, on ne peut pas retourner une ville et demander à tout le monde. Si vous voulez une bonne image pour la LCPD de Liberty City, laissez-nous une semaine. Et on tentera de trouver vos armes, si on les a vraiment. Jordan, il galère, il articule à parler et tout, j'arrive pas à tout faire ce qu'il dit. C'est fou. Il est dans l'humour, quoi, en ce moment, j'ai l'impression. 3 jours, hein. Ah ouais, tu trouves. Mais c'est pas... Oui, mais c'est pas possible, 3 jours, c'est pas possible. Pourquoi donc? Les médias sont au courant que vous avez perdu ces armes-là. Qui? Les médias. Les journaux. Les quoi? Les médias, les journaux. Ah! Est-ce qu'ils sont au courant que la LCPD, pendant une émeute, a perdu un arsenal de guerre? Oui. Ah bon? Oui. Okay. Ça n'a aucune utilité. Vous voulez qu'il s'en fasse quoi? Ça fait tâche quand même pour le LCPD. Écoutez, en tout cas, si ça sort dans le journal, je sais d'où ça vient. Hein, ah, laissez-nous une semaine. Une semaine. Check-up tous les jours, d'accord? Ça marche. Okay. 2 fois par jour. Okay. Je veux toutes les avancées, d'accord? Si jamais je n'ai pas une avancée, ce sera une conséquence. C'est compris? Pas de soucis. On va se mettre dessus, commissaire. C'est tous vos hommes derrière? Ouais. Je les garde. Mais non, on mais a besoin d'eux. Imaginez, c'est les hommes en prison fédérale. Non, mais imaginez, c'est un d'eux, les voleurs. On a besoin d'eux, commissaire. Ah oui. Oh lolo, tu sais que j'ai ton blaze, le mec qui fait ça, tu le sais ou pas? Attends, je vais même te dire tout de suite si je l'ai ou pas. En tout cas, je l'ai, mais. Tout le monde. Au cas où t'as un PayPal et que t'as mis un autre blaze. Écoutez. On va voir ce qu'on fait avec eux, d'accord? Pour l'instant, on parle de votre cas. Hein. Donc je répète, parce qu'après vous allez me dire que vous avez pas bien entendu. Tous les jours, 2 fois par jour, des récaps, des avancées, d'accord? Je veux des réelles avancées. Si je n'ai rien.
Une avancée ratée égale une conséquence, d'accord ? Deux ponts bloqués, un pont libre, hein, d'accord ? Putain, mais je viens de réfléchir, moi. Mars. Vous avez une semaine. C'est pas six matin, jours. Vous avez déjà eu un jour hier. Hein. Il vous reste 6 jours. Hein. Ça fait quelle date, le nom ? Le nom ? Le 23. Le 23 du 5, d'accord ? On se revoit ici. Avec les armes, c'est qu'on vous comprenez ou pas, commissaire? Oui, j'ai relu le dossier sur les docs. C'était parce que il y avait eu cette réunion et le lendemain, il y a un agent de police qui a été kidnappé. Et le jour d'après, il avait été re-kidnappé et il avait reçu une balle. Ah, oui, c'est ça, oui, je vois, oui, oui, c'est vrai. Très bien, écoutez, c'est bon pour vous, c'est bon. Ça marche, ça marche. Bon, ça m'enchante pas de vous laisser partir, hein, ce que je sache. Parce que j'ai besoin de ces armes, n'est-ce pas? Si, merci, pas seul, merci, mon frère. Mais si jamais, au bout de cette semaine, vous ne voulez pas me rendre ces armes, alors je ferai ce que j'ai dit et j'installerai notre beau PDP là-bas avec des logements gratuits pour les policiers. Et vous serez où? À la rue, c'est bon? On va faire tout notre possible pour trouver le commissaire. Bien, j'espère bien. C'est bon pour vous, non? Ma fille. Très bien. Faites-les sortir. Vas-y, venez. Je coupe la télé? Oui. Ouais, le vieux libère-nous, ouais. Oui. Allez, vers moi, ça. Vers moi. Commissaire, on a besoin de vers nous, ouais. Pourquoi j'ai pas? On va discuter. Allez, vers moi, t'as. Ouais, les gars, ouais. Allez, les gars. Ouais, les gars, ouais. Allez, les gars. Ça va bien se passer, les gars, on négocie. Wesh. Putain, mais comment ça? Vous voyez? Ils nous ont donné des infos, eux. Ils sont sortis. Ils nous ont tous balancés. Il y a rien de légal dans ce qui a été fait. Bonne soirée. Quoi? Comment ça? J'ai pas compris. C'est qui lui? Je sais pas. Il a dit lieutenant, c'est SWAT. Je crois que c'est. Je crois savoir c'est non, qui. Non, mais justement, il disait ça. Il disait ça en mode. Ça serait lui, il nous aurait baisé, cousin. Il me fout la haine, lui. Y'a rien de légal dans ce qui a été fait. Bah là, ce qui a été fait, c'est qu'il nous relâche. Alors que là, il a de quoi nous faire tomber. Putain. Ouais, les gars, libérable. Non, jure, t'es là. Bah, je crois qu'il reste que moi, les gars. Y'en a pas d'autres qui sortent là? Sûrement, ouais, mais bon, je sais pas s'ils sortent maintenant. Bien quoi? Ouais, bien et toi? Au calme, au calme. C'est comment là? Comment ça, c'est comment là? Le train qui va ouvrir, non? Oh, bah ouais, mais vas-y, vas-y, le train vient. J'ai un petit plan. Ouais, faut que je gagne de l'argent, moi. Vas-y, je te paye pour le rendez-vous. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te paye 1000$, on va faire un petit tour. Allô? Mais c'est un truc d'escorte, ça. Ah ouais, mais c'est pas de. Mais c'est pas de la prostitution, juste escorte. À la base, là, une vraie escorte, c'est une meuf qui t'accompagne, tu vois. Gros, c'était les hommes d'affaires, ils les prenaient, tu vois, des hommes d'affaires célibataires. Allô? Ils prenaient des meufs pour aller à des rendez-vous. Ouais, et vu qu'ils avaient une. Quand t'as une femme, t'arrives avec ta femme à un rendez-vous, c'est plus classe. Donc à la base, comme ça. C'est parti en couille, elle commence à vouloir rajouter des extras. T'as capté? Ouais, moi, si tu veux rajouter des extras, je dis pas non. Bon. Mais. Attends, allô? Ouais, ouais. Ouais? Ouais, j'ai tout craché. Comment ça, t'es où? Ah, je vais chercher les autres, je reviens. J'ai tout. Où? Je rigole, non, c'est bon, là, ils m'ont interrogé, on sort là, ils ont mis 3000$ d'âme. Mais ils arrivent te chercher là. Chacun. Vas-y, bah, vas-y. Vas-y. Du coup, ouais. Ouais. Du coup, c'est comment là? On vit qu'on. Dans l'Oscar en vrai de vrai. Il est heureuse là avec Oscar. Ouais, je suis heureuse là actuellement. Arrête de mentir là. Mais je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Je l'aime de tout mon cœur. Jure la vie de ta mère. Je vais pas faire ça, mais je te le dis. Je te promets, je l'aime. Mais je m'en fous. Tu promets, jure-le. Non, je jure pas, mais je l'aime. Et d'ailleurs, là, il est où, mon bébé? Oh là là, vas-y, ok, bah. Car personne ne le saura.
Personne ne le saura, c'est que toi et moi. Ça m'étonnerait, je pense que tu vas lui dire. La même heure, je lui dis pas. Alors moi, je te... Là, on part, on va chez moi, tranquille, on boit un petit verre, tu vois. On se met au calme. Et voilà quoi, il se passe ce qui se passe, mais on le dit, c'est notre petit secret. Moi, j'ai une théorie. Quoi? Je rentre jalouse. Salut les gars! Tu me parles de jalousie, et elle me dit quoi? Je lui parle, elle me parle de rendre jalouse Leïla. Leïla, c'est mon ex. Hein? Je tournais la page, je m'en bats les couilles de sa vie. De quoi rendre jalouse Leïla? C'est quoi le bail? On va la ramener, on va dire. Vas-y, bah ramène-la. Ramène ta soeur, ramène vas-y. Ta soeur. Zana, tu ramènes ta soeur? Vas-y. Mais elle est occupée là avec elle. Vas-y, je la ramène. Tu verras, regarde, si je te dis devant elle, c'est bon? Ouais, vas-y, devant elle, c'est bon. Vas-y, attends, je la ramène. Bonne soirée, commissaire. Il arrive. Ouais, viens, vite fait. On a encore eux. Vite fait, là. J'ai déjà dit, cache ton ventre, arrête de mettre ma tête sur toi. Tu vas où? Viens, en haut, tu dois... Viens. Ah bah, elle est là. Gaïla. Bah, dis-le que tu veux parler à Gaïla. Est-ce que toi et moi, il y a quelque chose, Leïla, actuellement? Non, y a rien. Non, mais je suis parti. En gros, je fais ma. En gros, parce que Kayla, elle pense là, je suis en train de la draguer, tu vois, parce que j'ai tourné la page, j'étais oublié. Et elle me dit, oui, je fais ça pour te rendre jalouse. Alors que pas du tout. Ouais, ça. Enfin, les nerfs. Je l'ai dit tout à l'heure, Kayla, non? Ouais, mais bon. Voilà, c'est bon. C'est bien, Kayla, vas-y. Oui, c'est j'avoue bon, que vas-y. C'est récent, mais tu connais. Bah, ouais, lui, du jour au lendemain, bah, il tourne la page, il s'en bat les couilles. Attention, bah, Kayla. Bah, c'est à n'avoir. Je c'est... Oui, ok. Oui, vas-y. Bah, vas-y. Allez-y, vous du coup. Il n'y a plus rien. Non, je te promets. Bah, vas-y, viens, on se smack, Kayla. Viens, on se smack. Non, mais. Non, peut-être pas, non. Bah, je sais pas, que je dois faire. Je sais pas, parce que là, tu crois. Parce que même là, tu crois que j'ai fait ça pour la rendre jalouse. Alors que c'est toi, t'as insisté. T'as voulu que je te la ramène. Ok. Bref, vas-y, viens, on va en haut, là, on les laisse entre... Oui. Elle me parle de tourner la page, mais là, elle est bien sur Arvin. Enfin, bref. Vas-y, viens. Wow. T'es rapide, Devil. Mais tu crois qu'elle, elle est pas rapide, elle? Je l'ai pas vu faire, moi. Je te vois, toi. Et ok, de toute façon, toi, t'es comme ça, sœur, toi, ça se voit. Vas-y, viens. T'es comme... Mais moi je peux pas faire ça Lila. Wow. Vas-y là, oh là là, vous allez me... Ok, là, vas-y, s'il te plaît, Ok, bon, wow. Si tu me Vous êtes bon, vous êtes bon. Si tu me dis, j'y crois pas. Oh, ok, lourd. Je suis obligé de. Allô, là, les gars, ça m'arrange parce que là, je vais. Pour faire, je vais devoir faire. Tu vois, je vais devoir baiser avec elle. Sinon, ils vont pas croire. En plus, c'était son idée. Oh là là, elle est trop conne. Je suis avec Lila, tout ça. Voilà, on est devant le Chimera. Vas-y, bah j'arrive à travailler. Oui, du coup. Bah voilà. Ok, voilà quoi. Et pourquoi tu fais, tu fais la meuf là qui se désiste au final, t'as pas envie de briser le cœur de Leïla, on s'en fout de sa vie. En plus, elle a rien. T'as vu, si on a arrêté, c'est parce que elle a géré un mec dans mon dos. Et du coup, bah moi j'ai mis fin. Après, j'ai mis fin dans des... Ouais, en gros, elle a parlé, tu vois, avec un mec, bref. Pour elle, il n'y avait rien, mais pour moi, j'ai pas accepté. Donc, hop, j'ai dit, c'est fini. Je lui ai mal parlé, c'est vrai. Bref, on s'est embrouillé, du coup, à la fin. Il n'y avait rien. Ok, c'est fini. Ça s'est fini quand, tout ça? Une semaine, je crois. Une semaine. Je peux pas faire ça, j'aime trop Oscar, je te jure, j'aime pas. Si la personne le saura, personne. Mais je sais, aussi, mais je peux pas, je pense à lui, je pense à lui. T'inquiète, il m'aime bien. Mais ok, d'accord, ça je le console, mais après. Je vais m'en vouloir toute ma vie, je peux plus. Tu mens, là, t'as même pas juré la vie de ta mère, tu l'aimais, là, arrête de mentir. Je peux pas faire ça, mais même, je l'aime, crois-moi, je l'aime. Je vois sa tête. Bah, tant mieux, je suis Oscar. Ah bah on y va alors. On y va? Ouais. Allô.
Allô. C'est comment? La vie de ma mère là, elle vient de dire. Allô. Elle ramène personne, pas le fils de pute. Chez la keuf. Elle vient de parler à Oscar. Elle dit bon, vas-y, bisous bébé, je t'aime. Elle raccroche, elle rentre dans l'appart. Bref, ta mère. Je sais qu'il va ramener Leila, c'est pour ça que je lui envoie un message. Mais là, je suis toujours en mode de... Les gars, mais je vais pas la baiser. C'est comment, Kayla? Tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. C'est comment là? Ouais. Comme je disais, c'est le truc de la dernière fois ici. Ouais. Là où tu pouvais habiter, mais t'as préféré aller dans un studio miteux avec un puant. Ça me dérange pas. C'est mon bébé, ça me dérange pas. Mais après, au calme, moi, t'as vu, t'as droit d'aimer. Jaloux, ouais. Voilà, au calme. On fait quoi, Kayla? On fait quoi? On se fait quoi? Première activité. On se fait un petit plat. Après, on monte. Deuxième activité, on regarde un petit film. Après, on monte, on se pose, je sais pas, on joue aux cartes. Attends, mais si on monte, c'est pour faire quoi? Ah ouais, bonne. J'avoue, j'ai pas prévu, je sais pas. Tu vois, t'insistes beaucoup sur le on monte, mais c'est pour faire on quoi? On monte. Ouais. Non, mais on monte dans notre, au niveau de notre relation, tu vois. C'est-à-dire, on devient amis? Regarde, ne me parler d'amis là, je mets une baffe là. Pas d'amis là que tu me racontes. Il est pas un peu rapide, tu sors d'une relation. Ça fait une semaine là et j'étais. Une semaine. En fait, à la base, t'as vu, j'étais sur toi. Ensuite, toi, t'es parti sur Oscar, t'as divagué, tu m'as donné aucune nouvelle pour l'appart. C'est-à-dire, moi, j'ai dit, elle voulait pas de moi. Donc vas-y, elle va se faire enculer. Ouais. Et au final, je sais pas, je suis revenu. C'est qui? Allô? Oui. Ouais, c'est qui? Pas compris. C'est vrai qu'elle ressemble. Salut. Ah, raccroche, ce fils de pute, raccroche. Raccroche, là, c'est un petit trou de balle, raccroche. Attends, deux secondes, je te rappelle, là. Attends, on prend mon tel, là. Vas-y, raccroche, là. Oui. Ah, tu le connais? Bah, tu le connais. Du coup. Ouais, dis-moi. Du coup, voilà, quoi. Moi, je voulais redonner une chance à notre relation. Non, mais tu me disais quoi au début? Quoi? En gros, au début, j'étais sur toi, mais toi, tu m'as pas donné de suite. Bah oui, je t'ai passé les clés d'un appart. Tu m'as même pas relancé. Normal, j'ai rencontré Oscar. S'il te plaît, réalise. Oui, mais toi, t'aurais pu me rendre les clés. Je suis obligé de... Je sais pas, je peux pas. Tiens, viens, on s'assoit, là, et on se pose. T'as capté. Il y a la cheminée, j'aime pas, vas-y, il fait chaud. On va en haut. J'aime pas la cheminée. Ok. Ah ouais. Je crains le feu, moi. Du coup, tu me disais? Je disais plein de choses, hein, j'ai pas à te mentir. Et ça, c'est mon derrière, c'est mon dressing, t'aimes bien? Tac, ma petite sape, t'as compris. Bon, en mode au calme, tu vois. Hein? Après ça, c'est mon lit. Ça, c'est mon lit. Ouais, c'est ton lit, ouais, je vois ça. Ouais. Après, à droite, c'est la salle de bain, je te laisse aller voir. Ouais, j'ai vu. T'as capté. Voilà quoi, bah vas-y. Je me pose sur le canapé, tu te poses sur le lit. On garde une distance. Tu me fais la. Vas-y, du coup, tu me disais. Merde. Je disais déjà, il y a un truc qui me dérange. J'ai l'impression d'être avec un pu de Trenton. C'est quoi cette dégaine là? Ah non, parce que je sors de cours. Quel cours? Qu'est-ce que t'as appris toi? Mais moi, je fais des cours, moi, j'étais en cours de quoi? Cours de quoi? Cours de boxe. Cours de boxe?
Bah ouais, j'ai pas eu le temps de me changer, le bon c'était fermé. Vas-y, va dans le dressing, voilà, change-toi. Vas-y, bah t'es ça. Commence. Les gars, dites-vous que chaque minute qu'on passe là actuellement, c'est pour sécuriser Leïla. Plus je suis Al, plus elle va moins se faire niquer sa mère, parce que sinon, t'as vu, elle va mourir. Bah oui, les gars. Oui, je sais, mais c'est dur. Putain, mais on a... Allô ? Ouais, allô ? Allô ? Ouais. T'es où ? Tu chuchotes. T'es où ? Je bloque, pourquoi ? Vous allez ouvrir le triangle ? Je sais pas. Pourquoi tu chuchotes, y'a quoi ? Parce que je suis dans la salle de bain, là. T'es dans la chambre, là ? Ouais, mais attends, regarde, la vie de ma mère, on fait que de parler. Là, la vie de ma mère, elle me parle que d'Oscar. Là, juste, t'as vu, je vais tenter un moyen qu'elle se déshabille pour que j'envoie une photo à Arve. Mais je vais rien faire, la vie de ma mère, je vais rien faire. Après, dès que j'envoie la photo, je me barre, je reviens. Comme ça, Arve, il croit que voilà. T'as capté ? Tu vas la voir quand même. Enfin, vas-y, c'est bon, je vais à la plage, je vois des. Mais dis de pas être dans la chambre avec elle. Je mais c'est pour rendre crédible, T'as pas vu Arve, il a cramé. Dis de quoi, c'est bon, Arve, ça y est. C'était ton idée, t'as vu? Moi, je t'ai jamais demandé de faire en fait, ça. T'as vu, il est où Big Air pour qu'il te résonne un peu? T'abuses de ouf. Juste hier, je t'ai dit ça, et le lendemain, t'es dans la chambre avec une meuf. Oh, t'abuses. On est. Je suis efficace. Non, c'est trop facile. Non, mais voilà, je te préviens, t'inquiète. Les gars, la vie de ma mère, qui lui a demandé de donner cette idée? Oh là, qui? Elle est venue, elle a donné l'idée. Personne lui a donné cette idée, c'est elle. Assume ton idée. Qui est masterclass, c'est une idée incroyable, moi, je trouve. Ouais, je me suis lavé, douche exprès sa grand-mère. Vite. Bien sûr que si. Comment ça, je suis folle ou quoi? C'est qui? C'est Oscar. Il dit quoi, ce bouffon-là? Ouais, vas-y, bébé, vas-y, allez. Ok, ouais, repose-toi bien, salé. Il a dit quoi, lui? Oh! Ah, pardon, je disais qu'il voulait arrêter. J'aurais vu ta mère? Oui. Pourquoi? Bah, il me dit qu'il se repose. Genre, j'en demande trop. Il veut arrêter le couple, là? Oui. Mais pourquoi? Bizarre, c'est que j'ai dit à personne. La vue de ma mère, j'ai dit à personne. Mais moi, je sais pas. Il m'appelle, il me dit, faut qu'on se voit, je veux arrêter, je suis fatigué. Oh, il est bizarre, hein. Et du coup, t'es célibataire, là? Ah, du coup, je suis célibataire et je suis triste. Il faut te consoler, j'ai capté. Putain, vas-y, console-moi. Donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Combien? Ouais, je sais pas, comme tu veux. Ouais, mais en quel honneur? Je suis triste. En quel honneur? Bah, parce que je suis triste. Je suis ta petite sœur, non? Ma petite sœur de quoi? Putain. Ma petite sœur de quoi là? Ma petite sœur de quoi? Ta petite sœur, c'est toi qui as dit ça hier. Non. Pas ma petite sœur, je me raconte. C'est ce que t'as dit. Ah non, t'es pas ma petite sœur. Plus maintenant, t'es célibataire. En fait, t'es. Allez, je bloque. Comme ma petite sœur, en mode dans le sens où je te protège, mais t'es pas ma petite sœur. Ah, ok. Elle veut ou pas, les gars? Je sais pas, je... Attends, mais... Je suis trop triste, vas-y. Jure, la vie de ta mère, t'es triste? Mais oui, je suis triste. Jure-le. Mais... Je te jure, je suis triste. Jure-le. Je jure. J'ai pas d'art. Jure-le, je vais te frapper, sinon jure-le, vraiment. Je te menace, jure-le que t'es triste. Mais oui, je te le jure, je suis triste. Jure la vie de ta mère, dis la vie de ma mère, je suis triste. La vie de ma mère, je suis triste en fait. Célibataire et triste. Ah si, c'est bon, c'est du passé, on s'en bat les couilles, non? C'est du passé d'il y a 10 minutes, il vient de me quitter, ça se trouve c'est toi qui lui a dit qu'on était ensemble. La fille de ma mère, je lui ai rien dit, sinon il te l'aurait dit, arrête d'être con, je connais Oscar. Et pourquoi il insiste pour qu'on se voit? Il me dit ouais, t'es où? Parce que c'est un fils de pute, parce que je pense peut-être Arve, quand il nous a vu partir, il lui a dit, je sais pas. Mais...
Ron, pourquoi t'as cette paire de chaussures là? Tiens, attends. Ma mère, elle me stresse. Je suis trop triste. Mais oui, ta gueule. Vas-y, va derrière, change-toi là. Ok. Par contre, là, c'est. Je te préviens, on est en couple là. Quoi? Non? Ouais, quoi? Je sais pas comment faire en sorte de prendre une photo. Eh, prends une vraie tenue, prends un pyjama. Ça passe. Oh. Mais je dors pas là. Hein. Oui, bon, t'as arrête de faire ton image là. T'as mis ton pyjama, c'est pour faire dormir où? Dans la salle de bain. On mettra à l'aise. De toute façon, t'as vu Oscar? Lui, ouais. Faut l'éteindre. Regarde, je lui ai envoyé gros selfie et il va se faire enculer. Selfie de quoi? Ok, petit t'as selfie fait, en mode. T'as compris. Ouais. C'est bon, y'a rien. Comment ça, Yann? Je l'aime quand même. Hein. Prends la photo. Attends. Tu m'as porté des problèmes, toi. Il se passe quoi là? Attends, deux secondes, parce que y a... moi aussi, c'est en train de me rendre. Ils font que de m'appeler. En vrai, t'as raison. En vrai, de vrai. C'est mieux, on prend notre temps, non? Tu te fous de ma gueule, là. Pourquoi tu veux qu'on baisse? Non. Non, tu veux qu'on fasse quoi? Alors, en fait, tu veux juste niquer ma vie, toi. Non, la vie de ma mère, j'ai pas envoyé à Oscar. La vie de ma mère. J'ai juste pris une photo. Non, mais en fait, parce que là, je panique. Ah, tu paniques? Vas-y, j'aimerais bien. Non, attends. Non, vas-y, oublie ce que j'ai dit, vas-y, on parle, je sais pas. Dès que tu me dis non, moi j'en dirais tu veux pas. Non, bah oui, je veux pas, t'as tout compris. Hein? Bah pourquoi tu me dis t'es sérieux là? T'as demandé si t'es sérieux ou pas? Vas-y, on parle. Mais, attends, viens là, je vais m'embrouiller avec toi là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, rassieds-toi. Dans deux secondes. Mais... J'espère que tu finis pas la journée. Hein? Comment ça? Je meurs? Ouais, je disais. En fait, c'est toi, t'as vu, là, j'ai fait le premier, deuxième, troisième, quatrième pas. Là, c'est juste à toi d'en faire un. Ouais. Du coup, qu'est-ce... En plus, c'est qu'Oscar, il t'a trompé, hein. C'est tout con. Avec qui? En gros... Vas-y, dis-lui pas. Hein. Ouais. En gros, on est parti en mode... C'était je sais plus où, dans une soirée... Et là, ouais. Il a pris une pute hein, dans un trottoir. Une pute, non, c'est rien ça. Ah ouais? Ok, si c'est vraiment calme. Ouais. Bah, du coup, on fait comment? Comment ça on fait comment? Je comprends pas. Tu comprends quoi? Je comprends rien. Je te jure, je comprends rien. Je comprends pas pourquoi tu. D'un coup comme ça, tu vas me parler. Tu me ramènes ici. Tu prends des selfies. Ah mais le selfie c'est pour moi, y'a rien. T'as... Oscar, vous êtes jamais filmé à deux? Bah si, mais c'est intime, tu vois. Vous êtes filmé? Bah logique. Je te montre pas, non. C'est celui qui t'a dit viens au film? Non, c'est moi, j'ai insisté. Arrête de mentir, il kiffe lui le cinéma, mes couilles là. Vous avez filmé? Ouais, bah logique. Je sais pas, ça ouais. Bah tu faisais pas ça avec Lille? Ah bah non, c'est vrai, on faisait rien. Ah non, Lille, on faisait rien. Et putain. On se filme, nous? Ou pas? Allô? Pourquoi tu me fais-tu? Passe au Chimera, tu imagines? Vas-y, j'arrive, hein. Je suis en route. Vas-y. Putain, il veut vraiment me voir. Qui? Je suis sûr qu'il sait.
La vie de ma mère, je lui ai rien dit. La tête de ma mère, je lui ai rien dit. Ah, vas-y, on fait ça en rapide, on le rejoint. Comment ça, on fait ça en rapide? Moi, déjà, je prends mon temps, déjà, d'une. Ça doit se faire, ça doit se faire. Non, parce que moi, je suis grave précoce, hein, je te mens pas. Bah, raison de plus. C'est quoi? Bah, t'es précoce, ma part. Je sais pas, ça, c'est pas de ma faute. Ouais, je capte. Donc là, tu m'as emmené ici pour ça. Non, je t'ai emmené ici pour qu'on lit le livre, là, par terre. Pour ça. On fait ça. Putain, mais après là, du coup, vas-y, on prend notre temps alors. On fait ça ? Vas-y, on prend notre temps. Et vas-y, tu vas reparler à Oscar, il va te rebaiser, toi. Et après, tu vas me dire c'est mort. Ah, c'est possible, c'est possible. Ok, demain même heure ici ? Demain même heure, on prend notre temps. Vas-y. Et toi, tu me calcules que pour ça, j'ai remarqué. Bah, logique. Je te calcule pourquoi du business, t'as rien à me proposer. Ok. Bah, c'est vrai. Pourquoi tu sors pas comme. Fils de pute, tu fais quoi ici? C'est une blague. Je suis venu prendre des affaires. On faisait rien. Après, on peut lui dire, on lui dit ou pas que. Tu te fous de ma gueule en fait, David. On est coloc ici. Fils de pute, tu faisais quoi là? Attends. Fils de pute, va. Tu faisais quoi là? Tu fais quoi, fils de pute? On bat les coups, King Packing. Fils de pute, va. Vas-y, barre-toi là. On prend pour une conne là. Mais nique ta mère, prends pas d'affaires, fils de pute, va. Tu nous as suivis. Qui t'a dit? C'est le taxi, t'as dit? Il était collé à la porte. Non, il m'a rien dit. Mais comment t'as su, on était là? Oh, le voyeur. Alors, moi, je savais pas que vous étiez là, moi. Je venais prendre des affaires, j'ai entendu du bruit, ça fait j'ai attendu, t'as vu, normal. Normal, cousin. Vas-y, je vais prendre ma brosse à dents, me casse pas les couilles. Ok, d'accord. Et tu me prends pour une conne, toi. Vas-y. La vie de ma mère, je l'ai pas appelé. Attends, vite fait. Attends, viens. Si tu l'as appelé, comment je l'ai pas appelé. Bah, il nous a vu partir et il sait que j'ai que cet appart. Il est venu et il a les clés. Quel fils de pute. Vas-y, je vais me changer. Et vas-y, gentiment. Mais non, mais non. Je suis triste. C'est humilié de quoi, là? Mais non. Ce que j'ai dit, il l'a entendu. Il a rien entendu là. T'as entendu quelque chose là? Non, j'ai rien entendu. Ah, tu viens d'arriver? Tu sais quoi? Rien. Je viens d'arriver. Rien. Bon, j'allais rentrer et j'ai entendu. Non, bah vas-y. Je sais pas. J'ai senti qu'il y avait des gens dedans. T'as vu? Mais vous savez. KMG, elle se sent humiliée. Bah, c'est bon, calme. Ah, mais y'a rien. Y'a pas de préjugés, Kaïla, ma gueule. Y'a rien, tu connais. Vas-y. Mais vous savez quoi? De toute façon, hein. Bah, on parlait de la vie. Nique sa grand-mère. Ah, bon, vas-y, Devil Force. Je le fais pas. Vas-y. Putain de. Je vais le répéter à tout le monde. Eh, Arv. Eh, dis-le à personne, hein. Arv. Je t'entends pas. Ouais. Je t'entends pas. Eh, dis-le à personne, hein. Tu m'entends, Kayla? Ouais. C'est lui. Tu m'entends? Ouais. En gros, il a dit, répète-le à personne. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais, et dis-le à personne. Ouais. Bon, d'accord. Dis-le pas, Oscar. Je veux savoir, vous faisiez quoi? Dites-moi la vérité, je dirai rien. On parlait, pour de vrai, on parlait. Oui, d'accord, on parlait, il est torse nu, t'es en mini short. Arrête de foutre de ma gueule. Qui m'a rejoint? Après, j'ai l'air. Pourquoi t'as pas tes chaussures? Moi? Ça m'a baisé. Ouais. Bah, parce que, je suis pas chez moi, donc je retire mes chaussures. Pourquoi t'es torse nu, David? Parce que la cheminée, elle me donnait chaud. Ok. Vas-y, faites vos affaires, cousin. Je vais rien dire, y'a rien. Vas-y, parfait. Vas-y, bref, force. J'ai pris mes affaires, moi je me barre. Putain, je me sens. Sa mère. Ah, c'était toi, putain. Voilà, ça m'a fait sursauter. Eh, Balti, je fais du vrai RP. Nique ta mère un peu là. Laisse-moi, frère. Avant que j'insulte toute la BT. De l'aide de différence, on sait ce que ça donne, hein. Bande de Schmetta. Eh oh. Oui. Ok. Ça va?
coup dur. Non, ça va pas. Oh bah de mes jambes. Vas-y, mais... Tu sais, Bachi, elle a une un mec dans le RP. Mais, oui, tu m'entends? Ouais. En vrai, autant le faire, là, non? Comment ça, autant le faire? Au point où on en est, au point où on en est. Au point où on en est, non, non, on va pas le faire, je suis humilié, je vais rentrer chez moi. Humilié de quoi, là? Humilié de quoi? Humilié de quoi? Mais, il nous a vus, il était là, il va pas le dire, mais c'est pour ça, autant le faire, et comme ça, voilà. Tu préfères que tout le monde pense que t'as... En fait, en plus, t'as même pas trompé Oscar, t'es plus avec lui, il t'a cassé là tout de suite, il t'a appelé, il t'a dit c'est mort. Bah même, je l'aime, c'est... ça part pas comme ça, tu vois. Putain, je suis trop triste, et vas-y, je rentrais chez moi, c'est bon. On se revoit demain, c'est mieux. Vas-y, mais demain, tu vas m'oublier, vas-y, demain, jure la vie de ta mère, demain, on est là. J'ai pas juré, demain, jure. J'ai juré, c'est bon. Vas-y, par contre, là, regarde, aux autres, tu dis si ça vient de parler... Tu dis rien, rien. Explique même pas ce qui s'est passé, ok? Tu dis rien, je vous dis pas. Entre nous. C'est bon? Oh! Nique ta mère. Mais tu m'entends? Ouais. Les deux tensions, la vie de ma mère, les gars, je vais la mort RP, je vais la kick du cerf. Oui. Tu m'entends? Oh, la slash skin, ma bite, elle va sortir comme ça. Wouhou! Ouais. Oui. Tu m'entends? Et oh, allô? Bonjour. Vas-y, ferme ta gueule, fais-moi des pattes là! Moi? Pourquoi ça rebug plus à ce moment-là? Allô? Ouais, vas-y, fais-moi des pattes là! J'ai rien à faire, j'ai rentré chez moi. C'est faire à manger? Non, je sais pas faire. C'est faire quoi toi? C'est faire des, prendre des TikTok. Hein. Voilà, c'est ça. TikTok. Danse, des petites danses. TikTok, danse, voilà. Vas-y. Les mis Oscar, voilà, je vais faire que ça. En tout cas, j'ai bien aimé, hein. C'était lourd. Une petite. Ouais, c'est bien. On m'a bien aimé. Vas-y, ça va. Tiens. Ah, mais change-toi, tu vas pas sortir comme ça. Vas-y, je t'attends. Fils de pute, t'es en train de me cramer, fils de pute. Arrête! Arrête! Ah, tu m'as fait grave peur, fils de pute, moi. Quoi? T'es en train de me cramer, fils de pute, là. Elle est en train de. T'es en train de tout niquer. Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle est sortie, fils de pute? Mais parce qu'elle est sortie d'un coup, là. Ma mère, elle est sortie d'un coup. Oh, mais putain. Mais elle est où, là? Elle est là. Elle est là. Putain, pour elle, on en. Du coup, vous avez baisé ou pas? On a baisé, mais toi, t'as tout baisé. On a baisé. On était en couple. Elle pensait que je t'ai ramené et que j'ai fait ça pour foutre la haine à Oscar. Comment ça, en couple? Parce que, en gros, au moment où je l'ai ramené, Oscar, il a appelé, grosse crise de jalousie. Il a dit, vas-y, je te quitte. Alors que... Qui lui a dit? Je sais pas, moi j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Oui, d'accord, je vais te montrer c'est qui le fait gramer de ton trou de balle. Mais... Ouais, bien. Oui, monsieur. Monsieur. Je vais lui niquer ça, quoi, oui. Mais... Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je sais pas, Ah, je parle trop fort, merde, pardon, excusez-moi. Ah, ouais, mais il m'a vénère le taxi, là, je vais lui niquer sa mère. Ça, oui. Ah, ouais, toi... 500 mètres? Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il était au Chimera. Ouais. Du coup, tu faisais quoi? Je faisais ma vie. Avec Kayla? Bah ouais. Comme ça, c'est normal. Tu trouves ça normal? J'ai fait quoi de mal? Bah je sais pas. C'est bizarre quand même. Je suis célibataire. J'ai droit de mais de voilà. Oui, on va le faire, Ovi. On est bien. Ouais, ma soeur, nanani, moi aujourd'hui t'es célibataire. Ça me fait mal au crâne en fait, j'ai raison. Ouais. Là, du coup. T'es rapide. C'est trop rapide. Quoi, t'es jalouse? Non, je suis pas jalouse, mais c'est dégueulasse. Je me dégoûte. Je suis choquée. Tu veux que je t'affiche devant Big Ear, que je lui dise. Je vais te faire une répute, hein. Tu t'es pissé dessus au triangle, je sais pas, un truc de. Ah ouais, de quoi tu parles? Arrête, c'est très bien, Big Ear t'a flashé sur lui, toi. Big Ear? Ouais. Non. Mais c'est qui, toi, t'es sur qui, toi?
pas sur personne. Non, mais celui, ça se voit, il... celui qui a le plus de chance, t'as vu que peut-être, potentiellement, il y a quelque chose avec lui, c'est qui? Et là, personne. Vraiment personne. Oh. En fait, Big Air, il est grave beau, mais ça se voit, il cache un truc. Tu sais, il est trop calme. Hein, je sais pas, un jour, il va péter un câble et il va me tuer. On sait rien. Je le sens pas. C'est dommage, hein. C'est vrai. Que... ouais. Mais bref, c'est... tu vas faire quoi en fait? Tu l'as trempé? T'as fait quoi? T'as trompé ma sœur? Trempé? Trempé. Tron, on dit trompé. Trompé? T'as dit quoi, trempé? J'ai dit trompé. J'ai dit trempé ou trompé? T'as trempé. Mais non, on dit trompé. Ah, mais... non, mais trempé, genre les deux en fait. T'as trempé et t'as trompé. En fait, ta sœur, j'étais avec elle. T'as vu? Y a rien eu, même la bise. C'est bon, moi je craque. À un moment donné, ça y est, moi je pars. J'arrête et En fait, c'est que ça qui te manque. Tu veux juste baiser. Oui. Ah, tu me dégoûtes, un vieux mec. Ah, c'est plus l'île des villes là, c'est rat des villes. Ouais. Oh, le ratus des villes. Mais en fait, t'as vu, on a parlé au bout de 10 minutes. Tu te rappelles quand j'ai dit taf ici pour danseuse privée? Il m'a dit, j'étais dit, Layla a fait ça. Je lui ai dit, ouais, elle doit faire avec toi en intimité, dans le lit. Tu te rappelles cette phrase? Et je t'ai dit, non, il n'y a rien eu. Même toi, t'étais choqué. Arrête de me faire la. Mais toi, t'es mensonge, espèce de menteur. Tu m'as dit que t'étais avec elle depuis 2 ans. Je lui ai posé la question, elle m'a dit 2 mois. Espèce de menteur. Tu mens trop, en fait, t'es une info. C'est quoi déjà? Des gens qui montent beaucoup. Tu sais que la même heure, je mens pas, ça fait pas 2 mois. Elle mythomane, est... mythomane. Oh, putain, elle est chargée, hein, c'est vrai. T'as quel âge, toi? Regarde, j'avoue, je rate quelque chose. Hein. Regarde là. Qui? Je rate quelque chose ou pas? La big mama, là. Je fais quoi? Je repars? Mais ça dépend, t'as fait quelque chose avec l'autre ou pas? Je te dis pas. Non, dis-moi, t'inquiète, ça reste entre nous. Jure-le. Je te jure. Ouais. Vas-y, dis. Et jure-le que ça reste entre nous. Oh, sur la vie de ta mère, je vais pas dire. Elle m'a fait un massage. Oh, il y a eu genre contact. Ouais, juste massage. Oh, c'est le début des problèmes, le massage. Ça veut dire deuxième problème. Oh. Mais en fait, massage comment? Massage habillé? Ou massage thaïlandais? Quoi, thaïlandais? Ah, t'inquiète. Massage thaïlandais, c'est quoi? C'est genre chez App, on met dedans. Ah, mais oui, bah ouais. C'est cache pour voir. Ça veut dire que tu l'as trompé en fait, t'as trompé. Je l'ai pas trompé, je sortais pas avec elle. Ah! Mais comment ça? Mais tu m'as dit que t'étais en break. Oh, j'ai juré. Bah, break, en gros, on a fini. Oui, crois. Break, ça veut pas dire t'as cassé, ça veut dire t'es. Oh là là, allez, nique ta mère, toi. Oh là là, toi, nique ta mère, vas-y, c'est bon. On parle plus. Toi? Bah non, pourquoi? C'est fini, on n'est plus amis. De toute façon, on n'a jamais été amis, non? Ouais, j'ai juré, on n'a jamais été amis. Ouais, c'est bon. Vraiment, on est en connaissance. Ouais, connais. Même pas. Maintenant, tu me croises, tu me parles pas, c'est bon? Bah, si. Bah non. Si. Bref, vas-y, il faut que je lui dise les 4 vérités, tout ce qui s'est passé en fait. Comme ça, tu vois, elle va pleurer un coup, au moins, elle va tourner la page. Non, en vrai, si c'est qu'un massage, vas-y, c'est bon. Massage, en vrai, ça y est. Tu vas. Ah, c'est juste un massage, voilà. Ah, tu dis j'ai mal au dos. Tu lui dis pas? Ouais, voilà, j'ai mal au dos, j'ai fait une émeute, cavale, j'ai couru, je suis tombé, je suis allé en garde à vue. C'est normal. Et elle aime bien. En plus, qu'elle est isolée. T'as vu Skinny? Qu'elle s'isole avec ce fils de bâtard. T'as vu? C'est un fils de bâtard. Hein, va le voir, Je l'ai vu, je l'ai. Ouais, dis juste Skinny, t'es son pote, arrête de forcer. Dis-lui juste ça, s'il te plaît. Non, mais je leur ai dit la dernière fois, ils m'ont dit, ouais, on est amis, je sais pas quoi. T'as vu? Bref, t'inquiète, bah, c'est bon. L'autre, la masseuse là, c'est réglé. Dis-lui, ouais. T'es son ami, arrête de forcer. En plus, c'est. Ouais, dis juste cette phrase. Ouais, c'est bon, vas-y. Ouais, re les potes. Ouais, la big mif. Oh, toi, tu veux pas lâcher ma soeur, toi? Vas-y, désolé, je la lâche. Allez, dégage. Et ça, n'a toujours pas, c'est ce qui...
Hein? Bah oui, justement, c'est skinny, c'est ça le problème. Tout le temps avec toi. Je suis jalouse, moi. Moi, dès que je m'approche de toi, c'est rester... Sana, laisse-moi deux secondes, je dois parler à je sais pas qui. Du coup, pourquoi tu l'as ramené, lui? Vous avez besoin de parler, je pense, c'est important. Oh, la communication, c'est important, les gars. Vas-y, frère, force à vous. Ouais. Tu lui as raconté quoi? J'ai dit, elle m'a fait un massage. Juste pour, crédibiliser. Hein, y a rien eu, ma mère, y a rien eu. Regarde, je t'explique. Raconte-moi, il s'est passé quoi, on rentre dans la... On rentre. Attends, y'a qui derrière? Ah, mais vas-y, on va encore nous voir ensemble. Vas-y, tu vas me frapper. Tu me frappes à la fin de la discussion. Bref, je rentre dans la chambre. Non, je rentre dans la truc. Moi, je dis, ouais, il fait chaud, il y a la cheminée. Direct dans la... Mais comment ça se fait, vous êtes direct dans la chambre? Je sais pas, t'as pas parlé avec elle dehors ou... Si, mais j'étais direct. Je dis, écoute, avec Oscar, viens, on va prendre un petit verre, je t'amène chez moi. Et vas-y, tu lui dis rien. Si elle est là-bas, elle s'explique avec lui. Bref, au final, elle dit oui, on monte dans le taxi, mais il me dépose. Elle a dit. Oscar, il l'appelle, elle lui dit ouais, vas-y, je t'aime bébé. Elle raccroche, elle rentre dans la porte direct. Elle rentre. Moi, je lui dis en mode ouais. Je dis quoi déjà? Ouais, j'ai la cheminée. Il fait chaud. Et on monte en haut. Il me dit direct oui. On monte en haut, elle se pose dans le lit, moi dans le canapé. Elle est grave ouverte, vous connaissez. Parce que c'est toi, t'es grave fermé. Tu me racontes, toi. En même pas 15 minutes, elle était déjà dans l'appart. Mais c'est normal, elle est en mode mentalité Liberty City, nous, États-Unis. Tu crois, on est au Michigan, Non, mais je sais pas, elle prend son temps, elle est pas obligée d'être. Mais quel temps? Vas-y, il n'y a pas le temps. Bref, ouais. On va dans la chambre. Là, je lui dis, vas-y, mets ton pyjama. Elle met son pyjama. Ensuite, elle vient, je la plaque contre le lit. C'est bon, putain. Bref, je commence à lui dire. Je prends une photo direct. Je dis non, c'est pour souvenir. Elle me dit non, t'es bizarre, vas-y, je me barre et tout. Après, j'ai envoyé à Arv. Après, il y a. Elle est en pyjama. Et moi, j'ai enlevé mon haut juste pour la photo. Après, Arv, t'es derrière la porte. Mais il n'entendait pas. C'est-à-dire, moi, je faisais croire à Arv. Je dis ouais, on a fait nos trucs et tout. Ouais. Et là, au moment, elle sort, tu vois, parce qu'elle a la haine. Et là, elle voit Arv. Ouais. Et là, moi, je fais le mec en mode grave cramé. Non, mais on n'a rien fait. Et elle, vu, t'as vu qu'elle est comme elle est conne, elle sait pas mentir. Donc elle disait, ouais, on n'a rien fait. Mais Arv, il a cru qu'il y a eu quelque chose. D'accord. Donc là, elle fait que dire, il n'y a rien eu, mais il la croit pas. Et donc, okay. C'est BNF. Mais moi, je trouve que t'es allé un peu trop fort, hein, non? En mode, Arv, il va pas y croire, tellement c'est gros. Tu vois? Mais à la base, je suis comme ça, t'as vu. C'est pour ça que toi, tu me rends fou. Tu vois? Parce qu'à la base, moi, c'est tac, tac, bim, boum, je parle, tac, hop, dans la chambre. Et après, Si. Mais je suis choquée. Kayla, je pensais pas elle allait. Tu sais, elle va me le dire ou pas? Toi, tu lui as dit de rien me dire, non? Ouais, je lui dis, dis rien à personne. En fait, c'est elle, je l'ai poussée, tu vois, vicieusement, à ce que c'est elle qui dise à Arv, dis rien à personne, tu vois. Parce qu'Arv, il l'a vu déshabillé, en pyjama, et moi, torse nu. Donc, elle s'est dit, vas-y, c'est la honte. Elle disait, ouais, putain, c'est une humiliation et tout. Donc, elle est trop conne d'avoir dit ça devant Arv, parce que Arv, ouais. il a cru qu'il y avait... Ouais, j'ai capté. Il a compris. Mais tu sais que, du coup, là, t'as pas respecté le règlement, on est d'accord? Allez, nique ta mère, là, quel règlement? Non, mais non, je m'en fous, non, j'ai pas dit ça. Mais je pense que je devrais faire la même chose. En mode, regarde. Vas-y, dis. Genre, par exemple, je vais parler avec un mec, mais moi, ça va pas aller... Bah, lequel? Dis-moi lequel. Je sais pas. Dis-moi lequel. Moi, je suis chaud, je t'ai dit hier, viens, on fait ça. Mais lequel? Je sais pas. Bah, trouve. Arrête, t'as bien une idée, arrête d'abuser. J'en sais rien, en fait. Peut-être... Skinny? Putain, grosse pute que t'es. Et voilà, les masses sont tombées. Putain. Putain. Non, je rigole. Arrête de mentir, même ta soeur, elle m'a dit t'es grave avec lui. Je t'ai dit que je vais pas faire ça avec lui. Je t'ai dit que c'est mort. Hein? Tu peux pas jouer avec ses sentiments, ça se fait pas. Pourquoi il est piqué de toi? J'ai dit ça. Non, mais il peut tomber dans le panneau et j'ai pas envie. Tu crois t'es qui toi? Vas-y, essaye, vas-y. Regarde, je t'ai mis au défi. C'est pas skinny, quelqu'un d'autre de le ramener dans un appart. Ouais, c'est facile, cousin, putain. Putain, mais tu sais, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit qu'avec... Mais en fait, après, elle m'a dit, t'as fait quoi avec Leïla? Je dis, jamais rien fait.
Elle m'a dit, mais ah ouais? Et moi, avec Oscar, ça fait une semaine et on s'est envoyé à la mort. Elle commence à me dire ça. Elle m'a dit, elle s'est filmée avec lui. Ils ont fait une vidéo. Et ouais. Oh là là. Oh là là, de quoi, toi? Oh là là, de quoi, là? Mais ça veut dire que... Mais je sais pas. Quoi? Je sais pas. En plus, parce que juste avant, je lui ai parlé et tout. Et là, elle fait ça. J'arrive pas à comprendre, en fait. Parce qu'elle s'en bat les couilles, elle veut profiter. Et du coup, t'as rien fait avec elle, on est d'accord. Moi, je vais rien faire, hein. Je vais pas aller... Vas-y, je te dis, mais tu t'énerves pas. Non, vas-y, allez, ça y est, t'abuses. On s'est juste... T'as vu... Non. Quoi? Arrête, j'ai pas envie de m'embrouiller, je te jure. Non, mais vas-y, parce que tu vas le savoir. Quoi? T'as fait quoi? En gros, Arv, il est rentré, j'ai fait juste un smack. Devant lui. Devant Arv. T'es vraiment un fils de pute. C'est abusé, Devin. Pourquoi? Je t'ai dit quoi? Déjà, t'es allé dans la chambre. Elle s'est mise en sous-vêtements. T'as pris en photo. Tu l'as smaqué. Ça y est. Je en rigole, plus, c'est faux, c'est faux. Moi. Putain, t'allais même pas me tèche pour ça. Ouais, putain. Ça veut dire que j'ai une marge un peu quand même. Bah vas-y, essaye, fais-le. Bah vas-y. Ouais, bref. Arv, il t'a dit quoi quand il t'a pris? Regarde, sa mère, elle, sa mère. Bref. Vas-y, Dieu. Arv, il y croyait pas. Je l'ai senti. Mais là, il y croit. C'est il disait quoi en détail, fait... en détail. Moi, ça date. Je sais plus. Il a dit en mode. Non, toi, je vais te balayer, toi. La vie de ma mère, toi. Comme ça, t'as oublié, c'était à 30 minutes. Non, mais c'est. En mode. Genre, il s'est passé. Trop de trucs. Pour que je te taise. Je sais pas comment t'expliquer. On a vécu trop de choses pour que ça se finisse comme ça. Et avant ça, il te parlait de ça. Avant que je vienne et que je parle de Kayla, tout ça. T'as parlé du triangle, non? Avec elle. Ouais, il parlait du triangle. Mais t'as... Bah voilà, raconte. Putain, tu me stresses. Mais il m'a demandé, il y avait quoi à l'intérieur? Je sais pas, je sais tout. Et je lui ai dit, il y avait de la drogue, comme ce que je t'ai dit. Et il m'a rien dit de ouf, hein. Ah, ok. Par contre, il m'a demandé les quantités, hein. Et bah y a rien, mais ça c'est bon, c'était à lui, de toute façon, c'est bon, c'est au calme. D'accord. Dis la vérité. Bref. Et il y avait quoi à l'intérieur? Pourquoi les portes, elles étaient fermées? Parce qu'il y avait d'autres trucs. Et celui de qui elle est morte? Et même Simon, même Simon à Skip. Mais non. La vie de ma mère. Il a eu quoi? Mais je sais pas, il est dans le coma à Skip, non? Je sais pas, moi je le connais pas tellement, Simon. Et Sana, t'as dit quoi? Sana, elle est venue, elle m'a dit ouais, vrai, t'es Sana, un fils de pute, t'es une merde et tout. Non, dis-lui pas. Oh là là, après, moi, je lui ai dit, vas-y, il y a eu un massage. On était nous deux nus, massage. Elle me dit, mais t'es un vrai clochard, nana. Après, d'un coup, elle me dit, eh, en vrai, il n'y a rien, c'est qu'un massage, t'avais mal au dos, vas-y, c'est pas grave, il n'y a rien, va la voir. T'as vu, c'est une petite... Oh là là. Bah, bisous, Zeb, vous croyez, on est où, là? T'appelles qui? Ouais. Allô? Ouais, Big Air. Ouais. Viens devant le triangle, non? Je suis devant là, Charles. Vas-y, bah j'arrive. Vas-y. Hey, viens, j'essaye Ice. Juste s'il te plaît. J'ai besoin pour mon ego. Ice est mort. Ah oui, pour Ice, mon ego. Écoute, Ice. T'as vu hier quand tu l'as appelé? Ouais. Elle m'a direct appelé. Elle m'a dit, ouais, Devil et tout. Il m'a appelé. Non. Mais nique sa mère. Nique sa mère. Bah quand même. J'ai envie d'essayer. Piqué par qui? Vas-y, toi. Quand il y a eu l'émeute et tout. Mais même moi, tu crois, m'envoyer pas. Et même moi, elle m'a appelé, je me suis réveillée, elle m'a appelé tout parce ça. Parce que c'est moi, c'est moi. Elle m'a dit ouais, parce que elle m'a dit ouais, c'est comment et toi avec Devil. J'ai dit c'était terminé. Mais vas-y, je peux pas dire c'est terminé, je m'en bats les couilles. J'ai dit je suis un peu triste, tu vois, normal. Et après, elle m'a proposé en mode si tu veux des infos et tout pour Devil. Moi, j'ai dit ouais, essaye de savoir si. S'il te plaît, laisse-moi aller la voir, je vais me foutre de sa gueule. Lâcher des graves, des trucs faux, je vais la triste, moi. Moi, je dis c'est mort, tu vois, pas réussir. Et réussir de quoi, toi? Hey, Kayla, c'est... ça y est, c'est bouclé, du coup. Bah non, faut que je la vois de temps en temps. En couple de quoi? Y'a rien du tout, ça s'est fini que là, Kayla... Ah bah, elle m'envoie un message. Elle t'a dit quoi? Parce qu'après, il l'a traité de pute et tout, Oscar. Et moi, je lui dis, tu le mérites pas, écoute-le pas. Elle m'a dit, c'est vrai. Mais là, pour elle, y'a rien eu, elle et moi. Et Oscar, il casse juste les couilles pour rien. Y'a rien, elle et moi. Oui, parce qu'il n'y a rien eu en vrai, entre vous deux. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il n'y a rien eu. Tu veux monter dans un coffre et je la ramène? Un autre jour.
Vas-y, bah demain je refais rendez-vous avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, c'est un délire. Hein. Tu fils de pute. Et t'es téléphone avec qui, c'est quoi? Avec Oscar. C'était Oscar. T'as vu, Bigard, tu me dis tranquille. Pourquoi tu viens pétarder, Devin? Ah, tu connais. T'as vu, Pharrell. C'est très bien, en fait. T'avais très bien, ça allait arriver. Non, bah non. T'as oublié ce que t'as fait. J'ai fait quoi? Rappelle-toi bien. Et je te laisse te souvenir. T'as vu. Vas-y, je te laisse 30 secondes, vas-y. Ah, t'as vu, je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas, Devil, t'as vu? C'est de pute, un truc où j'étais bien énervé contre toi, j'étais bien traité, ta mère, je t'ai dit que t'allais le payer. Non? Ah, t'as bien marché, je sais pas, Devil. T'as vu, je sais même pas. C'est pour ça que je suis surpris à la mort, là, frère. Ça, tu me sors un pétard, c'est quoi? J'ai fait une dinguerie, on m'a drogué, je m'en rappelle plus, parce que t'as bien marché, je vois pas rappelle de quoi tu parles. Rappelle-toi, fils de pute. Non. Ça y est, dis-le-moi, frère, dis-le-moi. Rappelle-toi, j'ai pété un câble contre toi et je bloque. Je sais plus. Et puis, je vais sucer. Non, tête de ma mère, arrête. Attends, je sais pas, David, la tête de ma mère. Je m'en ai parlé, enfin, tout à l'heure. Je t'en ai parlé quand? Là, il y a 5 minutes quand il est parti. Ou la bouche, Arrête, frère. Arrête, c'est bon, frère. Fils de pute, t'as fait quoi? Je sais pas, j'ai frappé Jégu. C'est ça? Qui? JB, je sais pas, arrête. Hein, là, t'as frappé JB, fils de pute. Je m'en bats les couilles de ça, c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Le seul truc où t'étais énervé contre moi, c'est. Je sais pas, quand on s'est embrouillé. Quand Arv, tu t'embrouilles avec Arv, non? Quand t'as Poucave, tu m'as vu embrouiller Skinny pour un vieux truc. T'as Poucave. Ah ouais. Pourquoi t'as fait ça? Mais frère, mais c'était sur le moment, je sais pas. Il y avait Arv à côté de moi. C'était sur le moment, t'as vu? Ça aurait pu être Big Air à côté de moi, ça aurait pu être n'importe qui. J'ai dit, regarde, il y a Skinny, il se fait mêler. J'ai juste dit ça, frère. Ça aurait pu même être toi et Arv à ta place, si j'aurais dit bah je serais venu. Ouais, te mais voir, tu frère. Dis ça parce que je suis là, regarde, je change le calibre. Non, la telle ma mère, parce que je suis là. C'est même pas avec le calibre, frère. La telle ma mère, ça aurait pu être n'importe qui. T'as vu, serait Arv à ta place, bah je l'aurais dit à toi, je sais pas, sur le moment. Si c'était Big Air à côté, bah je l'aurais dit à Big Air. Ça aurait été Chino, je l'aurais dit à Chino. C'est tout, frère. Non, je voulais pas Poucave ou je sais pas quoi, frère. Moi, ce que j'ai pas aimé, moi, c'est juste l'équipage Giflock. Mais c'est tout, frère. Ça aurait pu être n'importe qui, frère. Je l'aurais dit à n'importe qui. Et je bloque, tu vois. Même Oscar, je l'aurais dit, frère. Sur le moment. Mais là, c'est comment, là? T'es au courant, là? Tu sens, c'est bizarre, non? Et je bloque, non? C'est tendu, frère. Mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Mais c'est tendu, pourquoi? Pourquoi? Explique. Il y a quoi? Pourquoi c'est tendu? Je sais pas. Je sais pas, frère. C'est vous, c'est vos histoires, Devil. C'est vos histoires. Mais toi, t'as entendu quoi? Entendu quoi? T'as une mère, ce que t'as entendu, j'ai entendu, frère. Oui, bah, t'as entendu quoi? Je sais pas, Devil. La tête de ma mère, je sais pas. Parce que j'ai aucune idée de quoi se trame. C'est juste que je crois vous embrouiller, je sais pas quoi, et. Je sais pas. Vas-y, JB, la vie de ma mère, j'ai pas envie de te faire du mal, je t'aime bien. Ouais, commence à avancer, avance. Avance. Vas-y, je pensais que t'allais parler normal, avance, va là-bas, là. Et je vais te pousser dedans, mais t'as vu, y'a aucune échelle. Arrête, frère. Ma cousin, bah parle, dis-moi la vérité. Je sais pas, je te dis la vérité, Devil. La tête de ma mère, je te dis la vérité, frère. Je sais pas de quoi j'ai entendu quoi. La tête de ma mère, je sais pas. T'as vu, tout ce que je sais, j'ai envie de dire que tu le sais, frère. Et tu sais quoi, fils de pute, tu sais quoi? Rien, des armes, ils ont été volées, Je sais pas, frère, ce que tu sais, frère. Je l'attends même, je sais pas. Des armes volées de quoi? Des dires, frère, là, pendant les meutes. Ouais, et avant ça?
Et avant ça, je sais pas, les des mecs qui ont chopé Skinny, des... Mais ça, tu sais quoi, ça, à propos de ça? Pourquoi personne nous branche sur ça? On est rien au courant. Ils ont volé quoi dans l'appart? Je sais pas, il y avait un ou deux tarpés, frère. Hein? De quoi? Il y avait un tarpé, frère. Quoi? Tu vois, un tarpé que... Tiens, c'est même moi, je l'ai mis, frère. C'est même moi, t'as eu, je te dis la vérité, c'est même moi, je l'ai mis, un tarpé. Mais bande de fils de pute. Pourquoi il y a des morts dans l'appart de Skinny? Non, c'était un tarpé que j'avais volé au 13. Et pourquoi on n'a pas d'armes? On est en chien. C'est vous avez commun, normalement. Je sais pas, j'allais le mettre, les gars. C'est juste, j'ai paniqué, je l'ai mis là le temps. On avait plus d'armes. Et on n'avait même pas de balles. On avait 2-3 balles. On n'avait pas de balles, wesh. Quoi tu me parles? Mais en gros, les gars, c'était un pétard que j'avais volé au 13. Tu vois? Et vas-y, j'avais peur que vas-y les 13 ils commencent à crier. Du coup, je l'ai coffré comme ça. On dit qu'on l'avait pas, tu vois. Et avec ça? Et avec ça, frère. T'es sûr avec ça? Ah ouais, y'avait que ça, Devil, t'es sérieux quoi? On finit là maintenant ou pas, Bigger? Je sais pas, hein, Pharrell, je t'aime bien, mon frère. Pourquoi je me dis, arrête, Devil, la tête de ma mère, cœur, arrête. T'as vu, il est où ton cœur? T'as vu là? Arrête, la tête de ma mère, arrête. Cœur, fils de pute. Arrête, y'avait deux pétards, tu vois, y'avait deux pétards, frère. Et le deuxième, il venait d'où? Je sais pas, la tête de ma mère, je sais pas. La tête de ma mère, ça, je sais pas. Et pourquoi vous l'avez pas dit aux autres? Qui était au courant? Y'avait moi, Skinny, frère. Qui les autres blasts, fils de pute, qui? Skinny. Qui, Harvey, il était au courant? Je sais pas, je sais pas. Si ça se trouve, Skinny lui a dit, mais je sais pas. David, là, arrête, déconne pas, frère. Là, t'es ma mère. Je te dis la vérité. Je pensais que j'allais te faire confiance, mais en fait, t'étais un... Frère, moi, j'ai fait qu'une connerie, frère. J'ai pris un tarpé. Et on a volé au 13. Tu te rappelles le plan de Kenan? Quand on a pris les tarpés sur eux? Moi, j'avais un tarpé. Et vas-y, j'avais peur, vas-y, les 13 commencent à péter les couilles avec le tarpé. Je l'ai coffré histoire que ça se calme et après je le... Tu vois, je vous le donne, les gars. Tu vois, pour le gang. Je dis up, hein. Non, tu joues avec nos couilles un peu fort, je vais pas te mentir. Non, même pas, les gars. Ah, si. Et le 13, l'arme des 13, tu l'as prise quand? Bah, sur le plan de Kenan, tu te rappelles pas qu'on a pété les... Bah, qu'on les a pété. On avait pris même leur cam. Quand tu parles de la avec mule. Avec la mule, ouais. Ah, c'était après le cambriolage qu'il y a eu. Quel cambriolage chez Skinny? Ouais. Non, c'était avant, hein, c'était avant. Oh, tu mens, petit fils de pute. C'était avant. La galère avec le de Skinny, c'était avant ou après le plan? C'était avant, parce que il y avait... C'était après. La mule, c'était avant le bail de Skinny, je crois. Les gars, déconnez pas, la telle ma mère, vous êtes mes frères ou... Arrêtez de faire les fils de pute, là. Mais c'est toi le fils de pute, non, regarde, il y a des calibres en dehors, vous les mettez pas. Et normalement, je te frère, fume, c'était je juste fume pour calmer. Grand-mère. La telle ma mère, c'était juste pour calmer. Mais calmer quoi, tu lui donnes l'arme, on s'en bat les couilles, on dépose les 13 tous les jours, non? Nous. Ouais, mais vas-y, bah t'as bien vu, frérot. Peut-être ils te reprennent des armes, frère. Moi, je voulais juste calmer, frère, pour dire qu'on l'avait pas, tu vois, on l'avait pas. Dis non, on l'avait pas, ton pétard. Fils de pute, si tu l'as prise, dans tous les cas, ils allaient être sûrs. Même si on leur dit non, ils ont perdu leur arme, donc ça allait être pareil. Je sais pas, j'ai un trou du mentir, cul. Je suis un trou du cul. Je mens pas, frère, je mens pas. Là, tellement bien, je mens pas. Et avec quoi d'autre? Je mens pas, frère. Mais il y avait un deuxième pétard, je sais pas d'où il vient. C'est tout ce qu'il y avait? Ouais, après, il y avait des bricoles. C'est tout, frère, c'est tout. Moi, de ce que je suis au courant, c'est tout, frère. Et pourquoi Skinny a dit qu'il avait que je sais pas pourquoi faire ça? C'est bizarre la vie de ma mère. Je comprends pas. Non. Et là, les gars, il t'a reparlé, ouais. Skinny, t'as dit quelque chose? Non, il m'a rien dit. Depuis, il m'a rien dit. Que dalle. Et quoi, eux, ils ont fait des trucs ou pas pour essayer de trouver c'était qui? Pourquoi on est au courant de rien, genre? Je sais pas, je suis comme toi, frère. Je suis comme t'as dit les pétards, ok, vas-y, j'étais au courant. Les deux pétards. Mais sinon, je suis comme toi, frère. Je sais pas pourquoi il avait un autre pétard. Je sais pas pourquoi il se fait cambrioler, je sais pas. Ils ont attrapé les mecs qui ont fait ça ou pas? Bah non, on les a pas pétés, frère, on les a pas retrouvés. Tu les as retrouvés, toi? Moi, je les ai pas retrouvés, frère. Bah, on nous courant de rien, frère. Bah si, vous l'avez raconté, Skinny, non? Non, mais on était pas là, nous, on était en prison, frère. Viens, avance, reste là, fils de pute, viens. Ma mère, ça se fait pas, les gars. Tu sais, on fait quoi? Moi, je dis... Et on le ramène quelque part, on le fait dormir avec nous. Demain, on le ramène. T'as vu? Et devant Harv, on le ramène devant Harv et Skinny. On lui dit maintenant, parle. Vas-y, redis ce que t'as fait.
Et là, il dit qu'il avait deux pétards, je sais pas quoi. Comme ça, Harv, il est obligé de baiser la mère à Skinny. Il va plus avoir confiance en Pharrell, parce que Pharrell l'a poucave. Du coup, le truc de base, on oublie. Et tout le monde va... Et ça, on pourra utiliser cet argument pour mettre grave des mecs dans notre côté, dans O7. T'as capté ? On va leur dire, regarde, ils ont volé des calibres, ces fils de pute, gna gna gna, tu vois. Ou, deuxième option, on le teste. Mais là, c'est mort, regarde, il est impliqué avec eux, cousin. Il vole des armes, vas-y, qu'il baisse sa mère. On fait ça ? Attends, regarde. On fait ça, et après, si Harv le baisse, lui baisse sa mère, gna gna gna, on lui prend de notre côté, si, tu vois. Ouais. T'as vu, petit fils de pute, tu vas voir ce qu'on va te faire. T'as vu, enlève ta veste de fils de pute, là. Tes chaussures, t'as vu, enlève ton par jura, pitié, petit par fils pitié, de pute. Frère. Vas-y, viens, avant, monte dans le coffre, t'as vu, monte dans le coffre, fils de pute. Monte dans le coffre, sérieux, Devil, abuse pas, frère. Monte dans le coffre, t'as vu, c'est fini pour toi, cousin. Petit fils de pute, tu nous voles des armes, nous. On a un chien d'armes. Tu pas volé, j'ai pas volé, frère. Bah si, t'as volé, frère. Ta gueule, vas-y, monte dans le coffre, là. C'est de pute, moi. Arrête, frère, arrête. T'as vu, c'est le moment de lâcher. Là, tu t'emportes. De lâcher tout ce que t'as vu dans ton cœur. Hein. Peut-être t'as des trucs qui peuvent te sauver. Et t'as vu, tu peux rattraper tes erreurs. Parce que tu restes notre frère. C'est-à-dire que. T'as vu, si tu dis vraiment tout. Et. T'as vu, on peut te pardonner. Et t'as vu, de donner une chance. Et de rattraper ton erreur. Et t'as vu, et de niquer nos vrais ennemis. Ceux qui sont en train de détruire le bloc. Arrête, frère. À cacher des calibres comme des chiennes. T'as vu. Hein oh. Un autre truc à dire, on te met dans le coffre et on va faire ce qu'on a à faire. Il y en avait 5, frère. Allez, 5. Ah putain. Ma mère, c'est une dinguerie. On avait 5, frère. Mais je sais pas d'où il sort la tête de ma mère. Combien de balles, Je sais pas. La tête, moi, je sais pas. Je sais qu'il y avait des balles, mais je sais pas combien. La tête de ma mère. Je sais pas, frère. Je savais pas. Et pas c'est quoi ? Pourquoi vous avez mis 5 armes là maintenant ? T'as tu dois trouver le vrai argument là. Et comment ? Toi, tu leur dis ouais. La tête, moi, je sais pas. Il y avait des balles et tout avec ? Je sais pas s'il y avait. Ouais, il y avait des balles. Il y avait des bastos, frère. Combien ? Je sais pas. En fait, on sait. Attends, on était sur 6 000 $. On est passé sur un calibre. Ensuite, 2 calibres. Ensuite, 5 calibres. C'est quoi, vous étiez en train d'armer quel pays, là ? Je sais pas d'où ils sortent, frère. La terreur, je sais pas d'où ils sortent. Ça dans le coffre, fils de pute, viens. Et allonge-toi, là, par terre. Allonge-toi. Abuse pas, frère. S'il te plaît, par pitié, frère. Je t'ai rien fait, frère. Je te dis la vérité. Sale traître, sale traître. Allonge-toi, sale traître. 5 calibres, il y avait plus de calibres dans l'appart à ce allonge-toi, sale traître, sale fils de pute, va. Arrête, frère. Fils de pute, va. T'as vu combien de balles, fils de pute, combien ? Combien il y avait de balles ? Combien je vais t'allumer ? C'est pas, frère. 3, 6 cartouches, 7 cartouches, je sais pas, frère. C'est-à-dire que là, nous, on n'avait pas de balles, rien, on en avait une ou deux. Et là, dans l'appart à ce qu'il y avait 5 armes. V'là les bastos, fils de pute, va. C'est pas ma faute. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait ça ? Je sais pas. La démarche, je sais pas, frère. Je sais pas. La démarche, je sais pas. Si je te dirai, frère, mais je sais pas. S'il te plaît, par pitié, tire pas. Par pitié. La démarche, c'est j'aurais une idée de pourquoi il y avait ça et je l'aurais dit, frère. S'il te plaît, arrête. Pourquoi Bigger, je tire ou pas ? Bigger, s'il te plaît. Arrête, Bigger. On fait quoi, cousin ? De cas, tu vois pas ? C'est un fils de pute de traite, il est impliqué comme jamais avec eux. Il est au courant qu'il avait 5 calibres, il a rien dit. Ah, il était au courant ou pas ? Je réponds là. T'as dit quoi ? Harv, il était au courant ou pas ? Je sais pas. La terre, je sais pas. La terre, maman, je sais pas. Vas-y, monte dans le coffre, fils de pute. Monte dans le coffre, Harv, monte dans le coffre. Oh, eh, c'est... c'est une dinguerie, sa mère la pute, hein, voilà. Bref. Comment ça se fait pas ce que vous faites, les gars ? C'est tellement bien. Non, mais toi, ça se fait ce que tu fais, toi. Bref. Vas-y, avance, fils de pute. Fais vite, fils de pute, moi. Rentre dedans, sale traître. C'est sérieux ou quoi, Devil ? Rentre dedans, sale traître, fils de pute, moi. Et tu vas dormir là ? Arrête, frère ! Tu vas dormir là, fils de pute ?
Et demain, on va voir si on t'épargne. Ça y est. Pourquoi tu fais ça, frère? Grosse salope. Et ta mère. Tu as ma clé. Attends, attends. Envoie ton téléphone, fils de pute. Vas-y, prends, prends, frère. Envoie ton téléphone, tout. T'as allé me faire le 1? Envoie, fils de pute. Carré, impeccable. Vas-y, ta mère, dors. Hop là. Plus ça fait son nom. Ouais. Et les vives bien. C'est que là on peut faire quoi? On peut péter Skinny. Comme ça on... Les mecs en mode là on vient t'apprendre l'info de Skinny. Donc là on pète Skinny et on l'interroge sur ça. Et après on l'enferme aussi. Et demain on ramène Arm, on lui dit regarde ce qu'on a découvert. Et du coup on passe pour les mecs qui n'ont pas fait le cambriolage, qui ont enquêté. Et on dit à la base si on a fait ça c'est pour enquêter sur les armes. Et là on les baise, ils vont péter. Impeccable. T'es bon, t'es bon. Mais là, Skinny, il est avec Arm, 100%. Non, non, il est avec Layla. Il est avec Layla. Genre avec ta mère. Ouais, mais. À la part sur Times Square, pourquoi? À la rien, je suis parti récupérer les trucs avec Skinny. J'avais pas le choix, il les voulait maintenant. C'est abusé, frère. Voilà. La vie de ma mère. Il est 5h20, frère. Je vais pas RP jusqu'à 6h du mat. C'est un truc de ouf, voilà. Eh, hey, David. Ouais, t'es où? Bien quoi? T'es où? Très en club, là. Tout le monde. Avec qui? JB, Leila, Sana, Kayla. Bien, viens, j'arrive. Monte dans ma voiture. Vas-y, vas-y, j'arrive. Je vais le chercher. Faut que je le prends devant tout le monde en mode. Ouais. Viens, ouais. Viens, viens. Va dire au revoir à tout le monde. Attends, c'est bon, y'a personne. Y'a que JB là. Ouais, je dis au revoir à un truc et là. Dis-leur au revoir, dis-leur au revoir, vite fait. Je te regarde. Vas-y. Faut le faire paniquer sa grand-mère. Voilà Big Mif, bonne nuit, bonne nuit, bonne, on se pète demain. Non, dis au revoir. Dis au revoir. Vas-y, au revoir, au revoir. Vas-y, viens. Vas-y, au revoir. Vas-y, viens. Ouais, j'arrive. Y'a rock, y'a rock. Heureusement. Ah, David, y'a quoi, y'a quoi? Ah, rien, mon gars, froid. Je sais pas, t'es... Je vais te parler, normal. Discuter un peu, tu dates. Tu vois, t'as changé de coupe, t'as pris des bastos dans la jambe. T'as vu? Faut que je change ma coupe en plus, hein. Ma mère, tout le monde m'a tué sur ça. Bah oui. Je vais couper, je vais couper. Dis-moi, toi. Y'a quoi, Devil? T'as l'air énervé. Ah, mon gars, JB. À demain, JB, à demain. Vas-y, à demain, les gars. Ouais. Vas-y, bonne nuit. Range ton téléphone, tu es fils de pute, va. Vas-y, vas-y. T'as une arme sur toi? T'es calibré? J'aurais plutôt dire, t'as 5 armes sur toi? Hein? Tu es fils de pute, va. De quoi, de quoi, de quoi? Fils de pute, toi, Gigi's up, fils de pute, toi. Toi, Gigi's up, toi. Mais y'a quoi, les gars, y'a quoi? Non, on va parler, on va voir, y'a quoi, justement. Justement. Allez, envoyer un message à qui? Personne. Pourquoi tu mens? Ah, Arv, Arv. Fils de pute, en mode quoi? En mode quoi? Moi, j'agis pas au nom de Arv, là. Non, même pas, mais j'allais lui dire. Je quitte le triangle, t'as vu? Parce qu'il m'a tout à l'heure, il m'a appelé, il m'a dit: tu fais quoi de ça? Mais là, il est où, Arv? Je sais pas.
de ma mère. Ils sont fils de pute. Va voir contre le mur, va. Voilà, contre le mur, va. Là, ouais. Bouge pas. Merde. Bien, bien, bien. Mais est-ce qu'on le laisse pas envoyer un message à Arv pour qu'il lui dise en mode ouais, Devil m'a kidnappé. Voilà la réaction de Arv. Ou ça, ça, ça va précipiter la chose, il va appeler tout de suite non, et non, tout. Non, ouais. Non, ouais, non, non, ouais. Un bon petit fils de pute, t'as vu, retire ton haut, capté, retourne-toi. Et t'as vu, si je dis au revoir aux autres, parce que toi, c'est fini, t'as vu, pour toi. Là maintenant, pourquoi c'est juste. Mais gros, j'ai fait quoi j'ai Tu fait vas quoi juste là, t'as vu ce que t'as pris, c'est juste pour. T'as vu des explications. T'as fait quoi dans ton appart, fils de pute, quand je t'ai fait cambrioler? Il y avait 8000, sale pute, sale fils de pute de menteur, va. Non, il y avait bien plus. Il y avait quoi? Il y avait quoi exactement? Il y avait combien? Je sais pas. Combien d'armes? Je sais pas. En fait, les gars, 5 armes, fils de pute, avec Vlad les Bastos. Il n'y a pas que moi qui mets des trucs dedans. Il y avait qui c'est pas que moi, les gars. Ouais, mais c'est chez toi, c'est ce qu'il y a chez toi, ce qui n'est pas. Non, la vie de ma mère que non. La vie de ma mère, il y a des placards, tu sais, il y a des placards où je vais moi, il y a des placards, je touche up. Et il y a eu des trucs dans des placards, c'était pas moi qui gérais ça. On avait aucune balle, t'as vu, c'est encore on a des balles. On avait une ou deux balles chacun. C'est-à-dire, il y avait plus de balles. Et vous, vous en avez à la mort dans votre appart. Avec 5 armes en plus, alors qu'on en avait même pas 4, nous. Ouais, mais moi j'avais une arme à moi. J'avais une arme à moi, il y avait une arme à... Arrête de mentir. La vie de ma mère, une arme à moi, une arme à Farrell. Je t'explique. T'as vu? À ton avis, pourquoi? Prends-nous au courant, là. Je sais pas. À ton avis, fils de pute, je vais te faire sucer le canon, là, à ton avis. Mais j'en sais rien, David, la vie de ma mère, j'en sais rien. À ton avis. Il y avait qui est au courant? Qui t'appelle? Raccroche-lui. Il mérite même pas que tu lui adresses la parole, sale traître. Gros hypocrite. Fils de pute, c'est pourquoi? T'as vu la Farrell? Il est en sang, t'as vu? Dans un appart, t'as vu? Là, on l'a attaché, t'as vu? Sans son téléphone, regarde, j'ai son téléphone là, t'as vu? T'as vu, il a tout bavé, fils de pute. Il a des calibres, il nous a tout expliqué, la manigance, fils de pute, t'as vu? Viens là maintenant, tu vas m'expliquer? T'as vu? Tu me sors la même version, on t'épargne. Et demain, t'as vu, on va te faire dormir avec lui. Et demain, t'as vu, on va te confronter, on va régler ça avec tous les mecs des H-blocs. Si, t'as vu, tu me dis pas la même version, on en finit tout de suite avec toi. T'as vu, et j'expliquerai à Arv pourquoi t'es mort. Et je dirais que tu t'es rebellé, je sais pas, t'as voulu me mettre un coup de couteau, je t'ai allumé ta mère, et voilà. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi il y avait tout ça? Moi, je vais te dire tout ce que moi je sais, t'as vu. Regarde. Papa, je mens. Regarde le téléphone à Farrell. Ma mère, Stéphane Farrell, il est en train de dormir, t'as vu, en sang. Il a tout bavé. Genre maintenant, je t'écoute, Skinny. Écoute, t'as vu dans l'appart, moi, il y avait quoi? Il y avait un pétard à moi et un pétard que Memphis, il avait, tu vois. Et je les ai laissés dans mon appart parce que, vas-y, le gros appart, là, j'ai même pas les clés. Ça veut dire, des fois, je vais, je pose mon pétard là-bas. Ensuite, il y a eu un moment, les balles, tout ça, j'ai rien touché. Ça, c'est Chiku qui avait ramené ça chez moi et... Moi, il a ramené ça chez moi, il m'a dit de fermer ma gueule. J'ai fermé ma gueule. Comme un mec, n'importe quel GD serait venu me voir, il m'aurait dit je dépose ça là, j'aurais fermé ma gueule. Il a mis ça dans un placard. T'es plus haut que TQ. Je suis plus haut que quoi? Ma mère, t'es plus haut que TQ, que tu me racontes. Moi, je le vois pas comme un petit, moi, je le vois comme un frère. En gros, attends, tu m'arrêtes si je me trompe. Il ment, les gars, je suis sûr que tu lui l'as rien. C'est TQ, le cerveau en fait de l'opération, c'est ça? Non, mais il a posé ça là comme ça. Je pense que c'est. Même Marv, il était au courant de ça. Que Chiku l'a mis ça là. Je sais pas moi. Mais, vas-y, continue. Il m'appelle, je réponds pas, non? Comme tu veux. Non, je réponds pas. Hein. Je veux dire quoi, pense. De toute façon, on lui expliquera tout, t'as eu. Il saura tout en temps et en heure. C'est juste qu'on lui ramène les bonnes infos, qu'on lui ramène pas de la merde, t'as eu. Décroche pas, fils de pute, décroche pas. Je peux retirer, je peux enlever. Raccrocher. Ouais, juste raccroche. Ah, on va lui ramener les bonnes infos, t'as vu? Il sera au courant de tout, ce qui s'est passé. C'est ça. Et demain, on va tout confronter, tout bien. Ça veut dire, il y avait là, et les armes, ils venaient d'où? Je sais pas, c'est TQ qui les a ramenés, il m'a dit de fermer ma gueule et Arv était au courant. Ça veut dire que moi, Arv est au courant, le truc TQ est au courant, et ça, je ferme ma gueule, moi, j'ai rien dit à personne.
J'allais pas aller voir Biguer, lui dire, hey, c'est ce qu'ils ont déposé dans mon appart. C'est moi, ils ont déposé ça, ça y est, je ferme ma gueule, je laisse ça là. Ouais, mais pourquoi Harvey il est pas au courant de tout ça? Mais si, je crois qu'Harvey était au courant. Non, 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 m'a dit que j'étais au courant. Merde, dis pas de la merde. Mais si, je te dis que oui, je te dis que oui. Ouais, mais tu, toi, tu crois que tu es que sur parole maintenant, toi. Oui, c'est-à-dire bah que oui. Là, quand il y a eu le cambriolage, vous avez perdu 5 calibres. Je sais même pas. Je peux... En vrai, je sais même pas combien il y avait d'armes dedans, tu vois. Pour moi, il y en avait, je sais pas, 4, mais... Ok, 5, ok. Mais Harvey, il était au courant, tu que vous étiez au courant. Ouais, pour moi, quand vous êtes fait cambrioler, il a pas fait ça comme ça. Ok, bah c'est ça, vous êtes du quoi? Vous avez parlé entre vous, ça a dit quoi? Bah rien, on s'est fait baiser, ni sa grand-mère, les mecs on va les retrouver. Et pourquoi vous nous avez pas dit que vous avez perdu des armes, tout ça? Je sais pas, moi je préférais rien dire, on m'avait dit de garder ça, t'as vu? Pour moi, j'ai gardé ça pour moi jusqu'au bout. On est pas au courant, non? Je sais rien, on n'avait pas de balles, on galérait de fils de pute, tu galérais avec moi, cousin, on cherchait ensemble les yardies, les 13 pour avoir ne serait-ce que 6 d'accord avec balles de... De Beretta, frère. Alors que vous avez un arsenal de fils de pute dans l'appart, ça rime à rien. Je comprends pas, c'est quoi le. T'as vu, c'est qu'un menteur, il veut juste, t'as vu, il nous dit, ah, mais il veut juste parce que. Bah oui, il veut qu'on appelle, ah, mais t'as vu sortir. Ma mère, il avait pas. Mais n'importe quoi. Au courant, c'est le fils de pute de menteur. Mais si, Harvey est au courant. Mais si, je te l'appelle maintenant. Je te l'appelle maintenant. Arrête de mentir, tu as appelé personne, t'as vu, on va te ramener chez. Tiens, je t'ai vu, Farrell, tu vas dormir avec lui, demain, on va régler ça, fils de pute de traître. Monte. Ah, tu joues avec nos couilles, Skin, j'ai pas de. Les gars, je vous ai dit toute la vérité, la vie de ma mère. Il y a combien d'argent? Je sais même pas. Après, okay, les gars, vous faites les emojis, ah, c'est la merde. Mais non, on savait déjà qu'ils avaient des armes. $1000 qui étaient à moi et j'avais déjà vu. Facile plus de 20k dedans. Non, là maintenant la guerre, la séparation elle va arriver. Surtout nous, les Biguer et moi, on sait qu'on doit, on va se séparer, on a envie de tailler de toute façon, on a envie de faire notre propre truc. Maintenant c'est celui qui aura le plus d'hommes avec lui, tu vois. T'as capté ou pas? C'est-à-dire que là, le but c'est quoi? C'est de... J'ai plus d'armes dans ton appart. De l'opinion publique d'Hblock en mode... Il voit Arf comme un fils de pute. C'est-à-dire là c'est carré là. Non. Demain, ouais, elle, t'as peur, je sais pas comment il va gérer ça, voilà, et c'est incroyable sa grand-mère. Là, faut pas qu'il se spoil comme ça, non, c'est vraiment, putain. il va choquer sa grand-mère. Les gars, je pense pas que Chiku, il a fait ça comme ça, et c'est Arf qui lui a dit, c'est sûr, c'est pas possible. Eh, Arf, y a aucune raison de faire ça, t'as eu. La vie de ma mère, aucune. On est ensemble toute la journée. T'as eu, on baroude ensemble, on est tous armés ensemble, normalement. Descends, fils de pute, descends. Viens, cavale, viens, rentre. T'inquiète, je vais pas me barrer. Monte, fils de pute. Mais non, mais là... Wesh. Rentre à droite. Là, ils vont dire en mode, wesh, bizarre, après, il y a des armes. Tu vois ce que je veux dire? On n'avait pas de balles. Ils nous ont... Les gars, vous inquiétez pas. En mode, on va voir, là, on va aller voir par exemple un OV, on va lui dire, regarde, ils avaient là les balles, là les trucs. Y'a quoi? Y'a rien, fils de pute. Un homme pointé. De plus. Non, je te jure que moi je sais que ça. Mais pourquoi Farrell, il a pas dit qu'il y avait TQ qui était au courant? Je sais même pas s'il le sait. Je suis même pas sûr qu'il le sache, tu vois. C'est juste que t'as vu cet appart, il y a moi, TQ, moi, il m'a dit, et Farrell, qu'on les OV. C'est toi, OV. OV, il est même pas au courant de cet appart. Arrête de mentir, fils de pute, va. Arrête de mentir. Je te mens pas. OV est pas au courant. Il y avait qui? Il a même pas les clés. Arv, toi, TQ. Et Farrell. TQ, moi, Farrell, on a les clés. T'as vu? Arv, il a les clés, mais il va jamais dedans. Il sait pas, il y a quoi. Il s'en bat les couilles. Juste. Chirac, il est au courant, Chirac. Ouais, je crois qu'il sait. En fait, non, il sait pas, il y a quoi dedans, mais il sait que, t'as vu, il y avait de l'argent. Il sait qu'il y avait. Je pense qu'il sait qu'il y avait plus de 8K, tu vois. Je pense qu'il le sait. Il sait pas combien il y avait de pétards, il sait pas, c'est pas tout ça. Putain. Skinny, je t'aime bien, c'est-à-dire, regarde, viens. Il y a Farrell qui dort. T'as vu demain? T'as vu, je vais même pas dire que t'as parlé de Harv ou je sais pas quoi. T'as vu. Je vais même pas te mettre ça dans le dos parce que je sais très bien que tu mens. Tu mens, dis la vérité. Sur quoi? Sur Harv, tu mens. Et moi, je t'ai dit, t'as vu, Harv, pour moi, il a dit ça à TQ. Après. Ouais, mais t'as vu, je vais même pas le dire, t'as vu. Je vais le dire pour TQ, t'as capté. Pour Arf, t'as vu, je vais même pas le dire. Parce que sinon tu vas mourir, t'as vu. Tu l'accuses, que ce soit vrai ou faux. En tout cas, il va te fumer pour ça, fils de pute. Genre là, demain, t'as vu, tu m'as dit que TQ.
Ouais, vas-y. Ouais. Maintenant, t'as vu... Pourquoi Farel et Tapuka, vous êtes embrouillés ou pas? Non, même pas. Avec Farel, je l'ai pris. C'était pour lui parler des armes de la saisie, là, du LCPJ. Et lui m'a parlé de toi, que t'avais v'là les armes dans ton appart, tout ça. Maintenant, je viens de voir toi. Toi, tu dis que c'est Chikyu et Arv. Non, les gars, c'est chaud, hein. Bref. Bah après, t'as vu, moi, je te dis Chikyu et Arv, pourquoi? Parce que je pense que Chikyu, il a pas fait Chikyu, ça comme tu ça. Tu l'as vu. Oui, voilà, mais dans tout le cas, oui, Chikyu, tu l'as vu. Arv, c'est une supposition, c'est ça? Ouais. Vas-y, bref. Là, t'as dit ce canapé, dors dessus. Ouais, t'inquiète. Envoie-moi ton téléphone. Vas-y. Vas-y, bonne nuit. Ta pute. Hop, je ferme ma clé. Putain, incroyable. Putain. Eh voilà, qu'est-ce que je kifferais voir la POV de Perp, la tête de ma mère. Parce que là, nous, notre POV, c'est une dinguerie parce qu'on fait confiance à personne. Mais là, avec ça, là, le gameplay, il sera masterclass de son côté à lui. Parce que lui, ah, tout est chamboulé, là. Marquis, il a... Farel, il a Poucave. Skinny a Poucave, TQ. C'est-à-dire les trois ils vont partir en couille. Et ça c'était eux le noyau genre de leur truc. C'est-à-dire là il y aura aucune entente entre eux. Donc ils vont recommencer à zéro. Un peu comme nous on a recommencé à zéro pour savoir à qui faire confiance. Pas de truc à jouer rien du tout. Avec la misère je suis jusqu'au bout. J'ai fait tout ça pour pas finir au trou. Que Dieu pardonne d'avoir des tatous. D'avoir des tatous, d'avoir des balaves. D'avoir mon actif une trentaine de cadavres. Trentaine de cadavres, une trentaine de fils d'eux. Ouais je l'assume devant le public. Omar n'a jamais su.